Bonjour. Installez-vous confortablement devant votre ordinateur. Zen, d'après l'odorat, c'est le zen. Tout le monde est zen. Bonjour! Woohoo! Let's go! Hello everybody! C'est les émotions, les amis. C'est la dernière émission en plateau. C'est la dernière. Mais attends, tu te rends compte pas que là, il reste deux zen. Dans 14 jours, on sera au Zénith. Et c'est la dernière fois que vous nous voyez sur ce plateau. C'est abusé. Attends, ça, c'est fou. On peut sortir deux secondes. Vous avez vu l'afro? Non, là vous avez vu, j'ai défait reste. Là, l'afro, elle est clean de ouf là. Moi j'ai toujours dit, l'afro, non, mais, pour moi c'est ton. Non, mais ils sont super longs. Je pense que c'est une situation là en vrai là. Regarde comment ils sont longs de ouf. Ouais, c'est vrai. C'est pourquoi il y a le son? C'est quoi ce son de con là qui reste? Pourquoi le générique encore là? C'est un générique. Peut-être générique de con là. T'as toujours fait ça, peut-être ça se trouve. Hein. Ah, tu penses? Salut non, les salut. Amis! Ah attends, là là! Coucou à ma copine. Ah, je suis content de vous retrouver. Salut ça. Moi aussi je fais coucou à ta copine. Arrête. Arrête! Tu me manques. Arrête! Quoi? C'est mon ami! C'est mon ami! C'est les amis! Les amis, je suis content de vous retrouver, on est content de vous retrouver. Et avec ouais. Grim. En fait, cette émission, elle est un peu spéciale, je vous cache pas. Parce elle est charnière. Que, elle est charnière, parce qu'en fait, là, on est charrette un petit peu avec le Zénith, on a beaucoup d'idées, on a tout mis sur le Zénith. Ça se dit, on est charrette? On est charrette, ouais, on est mais je crois que c'est une expression de vieux, tu vois. Okay, okay. Là, on a plus rien pour cette émission, on est vraiment à poil. On est vide, on a mis tout dans le Zénith, là, y a rien. Y a rien pour cette émission. Là, on va partir en react, un petit react HBS. Ouais, là. C'est ça, je pense qu'on va se faire un petit react, on va se regarder 4 mariages pour une lune de miel. On va se regarder un petit machin. Mais les gars, surtout quand même, faut le dire, hier, instant gentil, hier c'était l'anniversaire de Maxime. Bon anniversaire. C'est vrai, tu me l'as pas souhaité. Voilà. Tu me l'as pas souhaité. Je l'ai souhaité. On a passé toute la journée ensemble, tu me l'as souhaité à. Non, ça c'est vrai. On a passé toute la journée ensemble, tu me l'as souhaité à 21h. C'est-à-dire que. 21h a... Non, 19. 21h01, tu m'as souhaité. J'avais zappé, on était le 11. Bon anniversaire, mon frère, waouh! À 21h, on a passé toute la journée ensemble de 14h. Parce qu'en fait, on a passé une bonne journée ensemble à Roland. Qu'en fait, c'était en mode putain, mais c'est vrai, on est le 11 juin. Ouais, quoi. Non, je pense juste, tu savais pas que c'était mon anniv. Et t'as vu sur ma story, parce qu'à un moment, quelqu'un me l'a souhaité, et tu t'es dit, ah merde, vas-y, c'est mon anniv. Tu savais absolument pas que c'était le 11, mais tranquille, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais t'es un ouf. Moi, je te l'ai souhaité, mais c'est pas grave, t'inquiète. Bien sûr, si je me rappelle ton anniv, frère. Non, je le prends pas mal. Du coup, merci, voilà, bonne anniv, tu vois. Hop, y a des petits subs, tu vois. Hop, merci pour les bonnes anniv, les frérots. Je t'offre un train de live, frère. Merci, les frérots. Merci pour le train de live. D'ailleurs, en parlant de train de hype, les amis, là, on a un petit truc pour vous. BK est dans le chat. Burger King est dans le chat. Burger King est modérateur de la chaîne. Il va pouvoir lancer un sondage. Et pourquoi je vous dis ça, c'est très important. Parce qu'il va vous poser une question. Est-ce que vous préférez un sub chez Grim ou deux places pour le Zénith? Les places ne sont plus dispo. Il y a un vrai débat. C'est embêtant, mais à un moment, on va aller voir 100% à zéro pour avoir un sub chez moi, quoi. C'est ça. Mais c'est ça le problème. Donc, il va y avoir un sondage au cours de l'émission. Là, il va y avoir un sondage. Je ne sais pas si c'est maintenant. Oui, un sub. Tout le monde dit oui, un sub. Enfin, voilà. Moi, je préfère le sub aussi. Après, les gars, par contre, premier degré, si vous votez le sub, le gagnant, il a un sub chez Grim. Les places pour le Zénith, on va les donner à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de problème. On va vraiment le faire. Donc. Vous choisissez entre un sub chez Grim, deux places au Zénith, en fonction... C'est deux places VIP ou deux places normales? Ah, c'est des places carrière, c'est les meilleures places possibles, en fait. Donc, en fonction de ce que vous voulez, on verra. Quand le sondage est parti, moi, dans l'oreillette, on me le dira. Je vous le rappellerai. Vous pourrez jouer et je vous dirai comment être tiré au sort. Ça sert à rien de sub ou Zénith, de spam ça. Ça sert à rien, c'est pas comme ça qu'on les gagnera. C'est en fonction du sondage. Je vous dirai, oh, let's go, on a la tablette avec le chat. On a la tablette avec le chat. Téléphone moche. Hop. Et on n'a pas le petit. On n'a même pas le petit cal. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais les gars, c'est la dernière en plateau. C'est la dernière en plateau. C'est les émotions. Et la tablette est par terre. Ça nous donne rien. Bon, les gars, on nous dira en régie quand le sondage sera parti. Je crois que pour l'instant, il n'est pas parti. Ouais. Merci à tous d'être ici. Je suis trop content de faire cette émission parce qu'on va recevoir Jilsi, qui est un ami. Un frérot. Un gros con, quand même. En fait, c'est le seul qui a accepté de venir en sachant que ça allait être l'émission sacrifiée. Ouais, c'est ça. C'est un bon, parce que là, franchement, en vrai, peut-être on pourra faire, un pierre-feuille-ciseau. Ouais, on pourra faire des pierre-feuille-ciseau, des petits bails comme ça, mais j'avoue qu'on n'a pas... On n'a pas grand-chose. Je vais pas vous mentir. Ils ont changé la table. Il y a quelqu'un qui a dit qu'ils n'ont pas changé la table. Non, c'est le même dev depuis le début. Hein. Mais un mec qui a mis wall ou la barbe de ouf. Je pense vraiment que t'as été payé par Maxime. Hein. Big up à tous mes barbus. On est ensemble. Effectivement, j'ai une barbe de ouf. C'est la vie, les gars. Le sondage est parti. Un sub chez Grim ou une fois deux places VIP offertes par BK. Moi, je vote un sub chez Grim. Attends, mais il y a une vraie castagne. Moi, je pensais que j'allais me faire 100-0, moi. Ah non. Moi, je pense vraiment que c'est le sub chez Grim qui va gagner. Juste parce que les gens sont des connards. Et que les places pour le Zénith, on va les garder pour nous. Et je les revendrai sur le bon coin à 200 balles. Mais t'es sérieux, là? C'est toi, tu faisais le mec. Merci Burger King pour ça. Tu faisais le politicien en mode. Ouais, mais. Ceux qui revendent des places chères. On t'avoue, oui, sauf que vous gagnerez rien, n'achetez pas les places. Oui, comme ça, vous ferez pas d'argent. Comme ça, c'est moi qui le fais. C'est moi qui gagne l'argent. Tu vois, les places pour ma famille et tout, en fait, j'aurais pas donné à ma famille, je les ai revendues 500 euros. Ah bah oui, moi aussi. Ouais. Okay. Bah moi aussi, t'inquiète. La daronne, regarde. Ouais.
Non, je disais pour Zénith. En gros, là, j'ai pas les places tout de suite, mais je peux t'en trouver une, ouais. Au pire, c'est quoi ? Ce qu'on fait, c'est que vu que je fais, attendez, deux secondes. Vu que je fais Zénith, le truc c'est je sais pas si tu avais dit. Attendez, les gars, wow. Le truc, vu que je fais le Zénith, ouais, moi je te vends une place. Je te vends une place, en vrai, tu l'as fait à 55 ou. Il a eu les 10K sur Insta, ouais, il est incroyable. Ouais. Il croit qu'il a pété un single de diamant, je suis pas mignon, frère. Les gars, s'il vous plaît, je parle, par contre, merci. Non, non, tu peux te casser, s'il te plaît. Du coup, tu. Ok. Vas-y, bah, je te dis quand on se dit ça. Vas-y, tiens, attends. Bon, j'ai rien sur moi, mais va me chercher une canette, toi. Vas-y. Ciao, je te rappelle. Tu t'enclenches quoi, Ben ? Il t'a dit, va chercher une canette ? Mais c'est ouf, ça. Tu vas la chercher ? Ben, tu veux quoi en canette ? Il veut Lipto-fraise. Tu connais Liptonic ? Il veut une Kwaku canette. Ah ouais ? Mais il a pris trop la confiance, ce mec. C'est un malade. Tu sais pourquoi il m'a dit ? C'est parce qu'il a dit, en fait, hiérarchiquement, il était stagiaire avant toi. Et donc, il a dit, t'es son super hiérarchique, en fait. Ça, c'est trop grave. Et par contre, non, en vrai, je suis un stagiaire de luxe. Là, vous voyez. Putain, je suis un ouf, vous avez les clés Michaud, vous avez montré les fiches. Mais ah oui, j'ai collé toutes les fiches. Je suis un C'est vrai que t'as collé toutes les fiches. C'est vrai que t'as collé toutes les fiches. Merci. Ça, c'est du grand stagiaire, merci. Ça. Les amis, cette émission est fin prête à commencer. Oh non, non, c'est le sondage. Pour l'instant, c'est les places VIP quand même qui gagnent, à ma grande surprise. Donc, on va pouvoir faire gagner les places VIP. Les places VIP, comment on va les gagner ? Je vous explique ça vite fait. Vous allez spam Desogrim dans le chat, tout accroché, D-E-S-O-Grim, tout accroché. On tirera au sort parmi l'un de ceux qui a dit ça. C'est valable pendant 5 minutes. Il est 20h07. À 20h12, ce sera fini. À 20h12, le mot il est banward. Ça ne sert plus à rien de spammer. Les gars, spammez pas tout le live en ça gros. Ça ne sert à rien, vous allez niquer le chat. Vous ne gagnerez rien. Pas à écrire à 21h30. Quoi. Voilà. Jusqu'à 20h12, on sélectionnera et le gars sera, la personne sera contactée. Ça, c'est plus mon problème. Ça, c'est plus mon problème. D'ailleurs, faut que j'arrête d'être un scammer. Tu sais, quand j'avais fait l'émission. Wesh, t'as freeze ? T'as bug ? Je t'ai baisé. Bah non, tu me dois 1000 euros. Pourquoi faire ? Parce que t'as perdu le combat, frère. Ah, ok. J'ai pas de blague. Ouais, je vois qu'il y avait aucune impro, là, il y avait aucune impro, il y avait rien. Pourquoi tu rigoles, toi, t'es pas rentré encore ? Il a raison, frère. Non, tu te rappelles quand on a fait le live de la prime, là, j'avais fait ça de chez moi et tout. Et en fait, le gagnant, il remportait un direct. Tu parles de toi, c'est un truc de ouf, direct. Mais c'est pas mon Zénith, là, hop, tu te rappelles quand je fais mon live, là ? C'est un truc de ouf de faire ça. Dizzy, tu peux venir deux secondes, frérot. Et après, je te fais ton vrai rentrer. Tu sais, quand j'ai fait mon live, une fois, j'ai fait live la prime. Ouais. Et en gros, je vais faire gagner un tel à un gars du chat. Ouais. Et c'était il y a genre 3 mois, tu vois. Et je n'ai toujours pas envoyé. Ouais. Moi, mais t'es un scammer de fou. T'es un scammer de fou. Et je te dis à toi, parce que toi, tu réponds, tu me réponds, t'es normal, tu vois. Parce que clochard. Mais vas-y, vas-y. Vas-y, ressort, on fait l'entrée. Je te fais une vraie entrée. Ah, il t'a baisé. Je te fais une vraie. Ah, il est. Ah, non, mais pourquoi tout le monde bug ? Pourquoi tout le monde bug ? Non, la vie. Je t'ai baisé. Ah, je t'ai baisé. Tu me donnes 1000 balles. Mais c'est quoi, c'est. J'avais pas de vanne non plus. Ok, vas-y. Tu me fais une belle entrée. À tout mon frérot, je te fais une belle entrée. La vie de ma mère. Hop. Les gars, il reste 4 minutes pour le sondage. On va pouvoir accueillir, mes amis, notre invité de la semaine, notre invité Chicos, le dernier en plateau. C'est la dernière fois que vous voyez ce plateau. C'est maintenant, c'est tout de suite. C'est mon frère Gilsi. Gilsi, c'est maintenant. C'est tout de suite, c'est maintenant. Ouais, les frérots. Mais non, c'est mon sur la frérot, vidéo. Comment ça va? Ça va mon gars ? Maxime. Ça y est. C'est Jill ! Ça va bien mon frérot ? Comment ça va Grim ? Ça va et toi tranquille ? Ça va Gil ? Ça va et toi Max ? Ça va. Du coup, faire... C'est parce que... Wesh non ! Mais non, c'est le sorcier de Clash Royale ! C'est le sorcier de Clash Royale ! Les gars, regardez, c'est le sorcier de Clash Royale ! Mais attention le sorcier ! Shazam ! Zap ! On voit pas la carte. C'est le sorcier de Clash Royale ! Allez, défends! Cassez-vous. Vous avez rien. Cassez-vous. Ça va, mon frérot? C'est Zap! Les Arabes? Wesh, je dis Zap! Zahaf? Zap? T'es Zahaf? Non, c'est sorcier électrique! T'es Zahaf là ce soir ou quoi? Pourquoi t'es Zahaf? T'es sorcier électrique! Ok. Ça va, mon frérot? T'es content d'être là? Je suis content de fou de te voir Grim, Max aussi, je suis content. C'est bizarre. Non, mais c'est pas grave. T'as l'impression que t'es un peu. T'es content de voir Joyka, toi, quand il t'a embrassé? Quand vous êtes embrassé? Mais il m'a pas embrassé. Si, t'as embrassé. Galère matrimoniale. Il m'a pas embrassé. Il t'a embrassé, frère. Il t'a embrassé entrée d'émission. Ah ouais ? Il t'a embrassé entrée d'émission. J'ai vu ça, j'étais bouche bée, frère. Mais non, mais frère, je te jure rien. Mais non. C'est un truc de cam. C'est un truc de cam. C'est un manque de cam. Tu t'es fait bait par la cam. Comme beaucoup, je pense, vous avez cru peut-être que j'ai embrassé Joyka. C'est un bait de la cam. Vraiment, frérot. J'aurais jamais fait ça. Frérot, je te jure, j'aurais jamais fait ça. Je crois que tu l'as fait, hein. Ouais, je crois que tu l'as fait, moi. Mais c'est pas grave, on est c'est là pour rigoler, on est là pour s'amuser ce soir. Donc on est là. Je suis très content d'être là. Ah, moi aussi, le back to back.
Le back-to-back, frère. Moi, je venais à l'époque où c'était pété de fou déjà. Ouais. Et là, non, non, là frère, ça a pété. Frère, non, mais je te jure, t'es pas prêt pour cette émission. Parce que je sais qu'il y en a qui ont cru que, vas-y, vu qu'il y a le Zénith dans 14 jours. Non, moi, je pense que je suis trop prêt pour cette émission, justement. Ah ouais, et tu penses... je sais que vous avez rien, je le sais. Non. Frérot, il y a le gars de la prod avant que je rentre. Il m'a dit, s'il te plaît, vas-y. J'ai dit non, mais oui, j'y vais. Il a dit non, mais si t'as 2-3 sujets de conversation, vas-y. Je sais que vous avez rien. Non, tu crois, parce qu'il y a le Zénith, on a tout mis dans le jeu. Je comprends. Non, mais non, mec, on a prévu plein de trucs pour toi. C'est peut-être la meilleure. Non. Ah ouais, okay. Je te jure, mais frère, le niveau des happenings, que ce soit en termes d'imagination, de coûts, on a mis les sous. Crois pas qu'on est vide. C'est un truc de fou, frère. Lunaire. J'y suis, je suis très content que tu sois avec nous, frérot. Je suis content, frère. Tu sais très bien, frère. Frère, putain, je te kiffe de fou, comment ça va? Première question, là, comment ça va? Tout va bien. Je suis content. Bon, il fait chaud, le studio est petit, etc. Mais je suis content. Ouais, là, tu reviens au moment où... Encore, il y a 15 jours, ça allait. Oui, je suis dans la pire période. Tu reviens au moment où il fait chaud. La clim, elle a ressauté. C'est flashback, émission avec Diplo. On crève de chaud. Dans 30 minutes, on est rouge. Limite, je pense que je préfère. Parce que quand il fait chaud comme ça, part dans un mousse. C'est le bruit, ça pousse de gars sans tuer. C'est une dinguerie, ça. Je répète ce que je dis. Mais oui, en vrai, c'est ça. Ouais, c'est un truc de fou. Mais je crois que c'est l'alignement des planètes. Genre, un peu avant le Zénith, dernière en plateau. Ouais. Il fait chaud, on a rien, on a pas d'apnée, on a rien. J'espère que tu vas pas tout casser sur le plateau, hein. Parce que lui, il casse tout. Hein. Non, mais ça, t'as vu. Ça, c'est le gros problème. Mais ça, en vrai, on rigole et tout, mais. Déjà, les fois où je casse des trucs, ça me tombe dessus. Oui, c'est comme si je venais, je faisais le bureau. Non, arrête, on en a besoin. C'est chiant. Alors, j'avais pas prévu de faire un truc. Oh putain, merde. J'avais pas prévu. Mais t'avais pas prévu, tu me chauffes. Je te chauffe pas. Les amis, il est 20h12, c'est fini. Arrêtez de dire des escrimes. C'est fini le sondage. Il est bien mis là ? Non, attends, faut le reculer. Non, il est bien, il y a les marques. J'avais mis sur les marques, t'as mis sur les marquages là, mais t'as fait tomber toutes tes fiches. Ouais, j'avais mis sur les marques. Ah oui, attends, mais non. Viens. Ah putain. C'est quoi ça ? C'est quoi ces fiches ? Non, mais il a trafiqué les marques. Il a marqué voter Macron. Tu peux arrêter, Grim, j'avais mis sur le truc. Fais pas de faire des choses. C'est plus du tout dans les marques là. Non, mais à gauche, il est plus dans la marque. Mais si, il est dans la marque, mais bien sûr qu'il est dans. Bah oui, rigoler, ouais. On a des plans de cam. Ça me touche. Pas faire comme ça, on a des plans de cam. Attends, regarde au retour. Arrête, regarde au retour. C'est mieux comme ça. La tête de ma mère, c'est mieux comme ça. Arrête de faire ça. Mais je fais plus de propal. T'es plus de propal, frère. Y'a plus rien. Eh, l'émission, y'a rien. Joyka, il est venu, il a fait un happening. Il faisait ce qu'il voulait. Moi, je peux rien faire, frère. Joyka, il est venu. Il m'a. Comprends rien, frère. Comme il faut. Tu te fais électrocuter. Comprends rien, frère. C'est dinguerie de faire ça. Arrête de toucher, Gris. Mais je le remets bien. Arrête de toucher par pitié. Je le replace là. Je le replace. À chaque fois, ça fait. Mais arrête de pousser. Ça fait 10 fois, je le replace, Gris, il rebouge. Tu touches pas. Je te jure, c'est comme tout à l'heure là. Non, oui, je crois. Oui, là, oui. Jusqu'à ce que Grim nous retouche, mais non. Là, si Grim y touche, c'est chiant. Et pour moi, c'est pas comme tout à l'heure, mais bon. C'est bon, je suis pas chipoté. Ah ouais, chipote pas, ferme-la. Merci à tous d'être avec nous. Excuse-moi, Tissien. Merci aussi aux gens d'être là. Ouais. Parce que tu sais que j'ai vu premier degré des tweets qui disent ah, y'a un Zen ce soir, il sait pas le Zénith. Non, c'est vrai. La tête de ma mère, j'ai vu ça. Le bouche trop. Là, la story où genre il y a réunion de prod et type, du coup, mon associé. Tout le monde. Et sur Tetris. Là-bas, c'est Zénith. Il me dit frérot, on a une émission de fou, je te jure, t'inquiète, il y a le Zénith, mais on a bossé. Frérot, je vois une story 3 heures avant le show. Il y a Tib, il joue à Tetris, nique ta mère Tib. Oh wesh. Non mais t'as raison, il était en full Tetris, mais la vie de ma mère, c'est que comme ça qu'il c'est comme ça qu'il est. OK. Quelqu'un qui a 36 ans, arrêtez. C'est vrai, il a 36 ans. Ouais, il est un peu vieux, ouais. Wow. Arrête de vouloir tout casser, il veut tout casser. En régie, s'il vous plaît, apportez-nous un truc à casser parce que là c'est chaud là. À la base, je fais rien. Je suis tranquille à chaque fois. Eh, tu vas casser. Et c'est comme. T'as fait un accent ? T'as fait un accent là ? Ouais. C'est quoi ça ? C'est un accent. C'est l'accent de l'animateur. Même là, Domingo, la dernière fois, pareil, il m'a fait oh, tu vas tout casser. Non. Pareil, il faut la même chose. Comme il croit, Mario Bros, c'est quoi cet accent de con là ? Frère, la vie de ma mère, non, là, j'arrête, je te jure, j'arrête. Même moi, je te fais pas rire. Oui, je vois ça. Je vois ça, la table est trempée aussi. Nettoie la table. Quoi, t'as bouffon là ? J'enlève l'eau. Bah, apportez-lui en régie. Apportez-lui un truc à casser, s'il vous plaît. Non, c'est bon, j'arrête. Je suis calme. Vous voyez bien qu'il est excité. Apportez-lui la régie. Non, je suis calme. Non, mais moi, c'est un sujet qui m'énerve. Ça, tu vas casser.
Oh non, il va casser. Ah, il casse, il casse, arrête. Aïe. Non, on va être 28, arrête. Oh, le punch. Le punch de l'émission de fou. Lui, il est trop fou, il est... Qu'est-ce qu'il casse. Arrête, frère. Tu as blessé quelqu'un, là. Frère, arrête. Dixi, comme je te le disais... Je vais dire un truc avant. Ouais. Il y a tout me vexe dans cette émission. Non, mais là, frère... Écoute, tout me vexe. Ok. Mais j'aime pas les mecs susceptibles, j'aime pas être susceptible. Donc ce que je vais faire, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, dès qu'il y a un truc qui me vexe, je tweet. Ah ouais? C'est-à-dire que je donne mon ressenti en tweet. Non mais t'inquiète, c'est bon, là on est bien là. Mais oui, c'est pas grave. Mais il y aura plus aucun problème. Non, en vrai, t'as vu l'happening de fou? En vrai, on s'est pas foutu de ta gueule. T'en veux encore? T'as pas assez d'happening? T'en veux plus? Tu veux qu'on te prouve que l'émission on a bossé? Là, il y aura plus aucun problème. Frérot, tu veux qu'on te prouve qu'on a bossé dans l'émission? Mais prouve-le-moi. On reçoit derrière ce rideau les plus grandes stars du monde. Est-ce qu'on peut ouvrir le rideau, les gars? Il y a des stars venues spécialement pour vous, un peu en anonyme, mais elles sont là. Qui est là? Qui est derrière le rideau? C'est qui? Je vois pas moi, il y a le rideau. Il est vrai que le match s'est plutôt bien passé. C'est Didier Deschamps. Il y a Didier Deschamps, le sélectionneur. Vous êtes le sélectionneur de France, monsieur? Oui, c'est vrai. Olivier Giroud, il est plutôt pas dans le match. Frère. Ose dire qu'on te respecte la pas. La Coupe du Monde. Il peut passer. On peut le voir. Frère, il y a d'autres gens. Devinca. Vas-y. Qui est non? Ben. Ben. Non, je vais vous lire le temps des tempêtes. Carla. Un café, c'est possible. Sarko. Le café, Kadhafi. Fermez le rideau, s'il vous plaît. Fermez le rideau, là. Non. Et vous avez ramené deux personnes que je suis pas fan. Un autre. Il y a Danny Boone. Peut-être qu'il y a Danny Boone derrière le rideau, on sait pas. Bilout. Chli. Ah, on peut définir, on peut inventer qui il y a. Mais non, on n'invente pas. Est-ce que derrière le rideau, il y a Vincent Cassel? Il est pas là, toi tu l'as bien. Moi je l'ai bien, Vincent Cassel. Vas-y. Alors oui, c'est vrai que le cinéma, c'est aussi une question de famille, d'accord? Il a un peu. Mais il y a un petit truc. Hein. Frère, t'as niqué mon oreillette, combien ça coûte une oreillette? 1 milliard. Et elle est cassée, j'entends plus rien. Parlez-moi dans l'oreillette, les frères. Fais-moi une facture. Elle est morte? Elle est morte. Bah criez. Marge, ramène-moi mon donneur. C'est bon, Arrête. Il y a personne. Il y a plus d'imitation, frère. Reconnais ton ombre là. Putain. Moi ça j'adore, hein. Tu veux venir une soirée comme ça, ça me suffit. Moi aussi. Non mais c'est pour te montrer qu'on est. Regarde, il y a même mes frères, il y a des boules à facettes et tout. Une boule à facettes, c'est un truc ouf, mais là tu rentres. Alors qu'elle est pas utile pour le truc. Il y a eu Didier Deschamps, Sarko, Marge, genre c'est un truc ouf. Frère, j'ai plus d'oreillette. En vrai, elle marche vraiment pas, fais voir. Elle marche plus. Wesh. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est en train de me terrifier, frère. Non! Va-t'en! Ça prend pas. Allez, sors, Ben. On a plus de sous. Putain, mais c'est loup-garou de Londres ou quoi? Non, frère, on a plus de sous. On a rien. Le Zénith, il vous a ruiné, frère. Mais la scène, moi, elle m'a rappelé Loup-garou de Londres, c'est un film. Mais toi, c'est bon, tu connais des films. Allez, il connaît des films, c'est bon, ça fait deux fois qu'il dit. On n'a pas relevé la première fois. Oh merde, oh là là. Frère, on a rien, je la vis de ma mère, on a rien. Non, mais il y a rien, mais du coup, on peut parler. Vous faites un Zénith alors, du coup. Du coup, ouais, peut-être qu'on peut se faire une émission pré-Zénith en mode pré-show. Ouais, là, on peut faire ça. Ah, c'est zapping du before du Zénith, genre. Ouais, c'est. Bah sinon, on se met les meilleurs clips de Zen saison 2 maintenant. Il y en a zéro. Jesse, on va quand même te poser des questions. Allez, pose-moi des questions. Très jeune, tu développes cette envie de te mettre en scène. Tu publies ta première vidéo, t'as 11 ans. Exactement. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Vrai ou pas, la là, famille? T'as bossé. Ouais. Pas vrai ou pas, la team? Vrai ou pas, la team? Ouais, mon chef. C'est notre délire avec Squeezie, tu n'étais pas avec nous. Une petite vidéo parcours. Alors que ton rêve, finalement, à l'époque, c'est plus l'humour. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce type de vidéo, mon gars? Parce que je faisais pas rire les gens à l'époque. Ah yes. Mais alors que maintenant. Alors que maintenant, ça fuse des fous. Et je faisais pas rire à l'époque et par contre j'avais toujours le goût de bouger, de sauter, de machin. Et j'ai découvert ça en regardant le film Yamakasi, comme tout le monde à l'époque je pense. Et ça m'a chauffé, je me suis dit j'ai essayé et tout, et je me suis découvert une petite passion et tout, et après je suis parti dans ça, puis après maintenant je me suis dit ça c'est... Après en fait j'ai vu les clowns, et en fait les clowns ils font pile les deux. Les clowns tueurs ou les clowns, les vrais clowns? Si tu ramènes un clown tueur, je te jure, premier degré, je quitte le plateau, je nique ton émission. Si y a un clown tueur qui arrive. T'as peur de ça ou t'es juste c'est chiant? Non ouais, j'ai la phobie genre. Non, c'est vrai, quoi. T'étais clownophobe? Non, en vrai. Au fil. Non, au phobe, non, au phobe. Oh non, ouais. Non, au phobe, au phobe. Oh, okay. Ah, putain, t'as peur des clowns? J'ai la vie de ma mère, je le savais pas, je suis dégoûté. Attends. Non, j'ai pas peur des chiens, j'ai peur des clowns. Ouais, ah, merde. Confonds pas.
Les clowns, ça va. Les clowns, j'ai peur, mais les chiens, ça va. Ouais. Mais du coup, ouais. Du coup, après, bah, je suis parti sur ça et tout. Mais ouais, toujours plus l'amour de l'humour. Alors, fait assez intéressant. Que j'ai noté. Ouais, il y a vraiment dit une phrase de foot. J'ai fait une phrase de foot. Il a fait l'amour de l'humour. Ouais, t'as pas écouté. Tu t'es pris pour Nekfeu. C'est une belle phrase, l'amour de l'humour. Ouais, c'est cool. Toi, t'as l'amour de la merde, toi, non? Mais c'est fou que ça marche sur moi. Ouais, ça marche, ça marche. Ça marche. Il a la même vanne depuis 10 ans, il a pas été renouvelé. Il va la faire, j'ai hâte qu'il la fasse. Il a un pattern, il va faire ça, après il va faire. Et voilà, ça va, c'est fini, tu vois. C'est fini. Ouais, il pose ta question de merde. Je suis content de vous voir, les gars. J'ai remarqué un truc. Tu t'en bats les couilles. Ouais, je m'en bats les couilles. Ok, d'accord. Entre ta première vidéo et le début du succès, on va dire, il y a à peu près 8 ans. 8 ans de charbon, 8 ans où tu testes beaucoup de chaînes, etc. Il y avait quoi dessus? Alors, t'as fait différentes chaînes en fait. J'ai fait plusieurs chaînes. Il y avait une chaîne où. Attends, mais t'as dit, t'as commencé à 11 ans, il a 18 ans. T'as 18 ans? Alors, un, tu sais pas compter. Et deux, t'as pas suivi la question. Et deux, t'as pas suivi la question du tout. Voilà. Mais. Non, ouais, au début, les premières chaînes, c'était parcours. Okay. Après, j'ai fait des chaînes. J'ai fait des chaînes en mode, bah, à l'époque, ce qu'on kiffait tous, les podcasts, les machins. Carré. Donc, j'étais parti sur ça. C'est encore dispo ou? C'est plus dispo. Genre les podcasts et tout. Mais est-ce que même toi, tu en as accès? Mais frérot, tu sais que, en fait, ça, avec quand j'ai grandi, j'ai trouvé ça tellement explosé que j'ai supprimé, même de mon disque dur et tout. Je ne les ai plus. T'as voulu vraiment. Ah ouais, tu les as annihilés. J'ai effacé ça de ma vie et je suis dégoûté parce que j'adorais aujourd'hui. Ouais, les remater. Ouais, vraiment, c'est fou. Par exemple, podcast, tu te rappelles genre des sujets et tout que tu faisais? Mon tout premier podcast, le sujet, c'était. Je dis pas les profs, je pète. Non, c'était. Attends, quoi. Et de ouf, genre les racistes. Non, frère, c'était un sujet niche de ouf. Ah ouais? Je crois que c'était un truc genre les radios à l'hôpital, genre les radios. C'est super précis. C'est un cours magistral de fac. Trop chiant. J'avais des trucs précis, mais elle marche pas. J'avais que des trucs précis comme ça, en mode les radios. J'avais un autre truc, c'était. Les rumeurs grossophobes, des trucs comme ça. Mais ouais, c'est tellement précis. Et ouais, je prenais que des sujets précis. Les rumeurs grossophobes, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Parce que je me suis dit, il faut que je me démarque. Ah ouais, tu t'es démarqué. Moi, j'ai bien démarqué là. Ah ouais, j'ai démarqué de fou. Tellement démarqué qu'on n'a pas vu. Mais vu, mais pas regardé. Personne n'a regardé. Mais du coup, il y avait eu ça. Et après, ça, j'aurais adoré pouvoir vous l'envoyer pour qu'on le regarde. Ah ouais, c'est fou. Mais j'ai participé au Fanta XU. Mais oui. Ouais. Je suis encore dispo, ça, non? Mais non, ça n'est plus parce que pareil, j'ai supprimé et tout après, tu vois. Oh putain. J'ai participé au Fantasy You. Ah oui. Ah mais c'est pas dispo, genre aucune part sur YouTube. Pas dispo, frère. Genre t'as participé et ils t'ont pas sélectionné? Ils m'ont pas sélectionné. Ah c'est ta candidature. Mais ça, c'est en mode t'envoies ta vidéo. Oui oui oui, OK. Je pensais que t'allais participer au. Et à l'époque les juges, je crois il y avait Amixem, il y avait David Eraf, il y avait le rire jaune et je sais plus qui. Et j'avais candidaté pour David Eraf et j'avais pas été pris. Ils ont dit, je disais, il est trop gaze. Et après ils m'ont retrouvé quelques années plus tard, ils ont dit oh non, oh la boulette. Oh non, on est tombé dessus en vrai. Est-ce qu'ils ont vu la candidature après ou pas? Non, on en a jamais parlé, je crois qu'ils savent même pas, frère. Oh l'exclu. Ah, je te jure, là il y a une exclu de fou là. Ah, ils savent pas. Mais du coup, ouais, j'avais essayé ça. Et après, j'ai que fait arrêter, reprendre. Mais t'étais quand même déter quoi. C'est-à-dire j'étais qu'à chaque déter, fois, tu lâchais pas le truc. Et là, t'en as pas parlé, mais t'avais aussi une chaîne d'électropop. Donc t'étais fan de. D'électropop? Ouais, t'étais fan d'électropop quoi. T'étais fan de Cascada? De Cascade? De Cascade. Cascada, la chanteuse. Cascada. Mais putain, vous savez rien préparé ça. Mais... T'étais fan de Cascada? Cascade, j'étais fan de Cascade. C'est pour ça que je faisais du parcours, des trucs comme ça. Mais Cascada, enfin j'aime bien. C'est ça. Time we swim, I swear I could fly. Don't you feel my heart beat hard? And to the side, do we need to mind? La 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 la. Waouh. Ça veut dire que vous avez réussi à faire un happening sur mon passé et il est foiré. Non mais au moins c'est presque Cascada en vrai. Non mais c'est sympa. Non mais en fait j'aime bien Cascada mais j'étais pas. Ils m'ont rajouté un A à la prod. Il y a écrit Cascada, c'est pas ouf. Bon. C'est Google Docs. Là je tweet, tu vois. Ça tweet. Non, tweet pas. Mais non mais arrête, non mais kiffe un peu là. Mais t'as la wifi? Merde, il passe où le chat? T'as enlevé le chat? Ah ouais. Mais t'as la wifi? J'ai la wifi. Merde. Mais je me plains plus, mais je tweet. JC Maxime. Pendant ce moment-là, tu essayais d'enchaîner les petits jobs. Ah, t'as même failli t'engager comme pompier.
Putain, t'as bossé. Mais frère, mais toi, tu crois que j'ai pas bossé? J'ai bossé de fou. T'as une vraie émission, quoi. Mais oui, est-ce qu'à un moment, tu t'es vraiment dit, je fais une croix sur ce rêve, j'arriverai pas, ça prend pas et tout? Ou est-ce que t'as toujours eu la flamme, tu vois, la petite envie, tu vois? Non, complètement. En gros, en fait, le truc où j'ai dit j'arrête, c'est Fontaine Xiu. Quand j'avais essayé, j'étais en mode, allez, c'était la dernière tour que je tentais. J'étais en mode, allez, maintenant c'était bon, faut arrêter, ça y est, faut revenir à la vraie vie, faut capter que c'est mort. Ouais. Et là, j'ai enchaîné. Et moi, depuis tout petit, on me parlait de pompier, machin et tout. C'est un métier que j'admire de fou. Et du coup, j'ai tenté. Et ce qui est triste, c'est que c'est même pas de mon choix que j'ai pas été pompier, parce qu'en fait, genre, j'avais les trucs physiques, c'était top, j'avais réussi à passer les entretiens, les trucs et tout et tout. Test de beau gosse, alors là, c'est sûr, t'étais premier. Test de beau gosse, j'étais à 10 sur 10, frère. Frère, là, ça m'étonne même pas, frère. Sexy, c'est mort, c'était dérange. Mais t'es juste jaloux, mais c'est pas grave. Tu seras peut-être beau gosse aussi un jour. Bah, on y travaille. On parle entre barbus, mais laisse pas. Ouais, laisse tomber. T'es vraiment gourmand. Non, moi j'étais dans ta team avant les boucles, les faux barbus. Mais maintenant. Mais tu veux dire, attends, pour toi c'est un vrai barbu ça? Frérot, c'est un vrai barbu. Chica, Frica Salamanca. Moi, il s'est coupé les poils de couilles, il se les a collés sur la joue. Il a pas de poils de couilles. Pas encore. J'ai eu. C'est pas encore. C'est pas drôle, ça. Lave-toi un peu. 15 ans que j'essaie de le faire rire, ça marche pas. Tu as dit poil de couille. Mais ouais, non, j'ai dit, il en a pas. Il en a juste j'ai rien dit, moi. C'était drôle pour lui. Mais je raconte ma vie ou on s'en branle en... Non, ça, vraiment, pardon. T'as coupé pour le truc. Et du coup, pompier, ça marche super bien et tout. Et en fait, un jour, pendant un entretien, je perds mon sang-froid. Parce que. Attends, par contre, sans faire exprès, j'ai mis droit sur un vrai truc. Parce que t'es en train de dire une vraie anecdote alors que le chat va penser que c'était prévu ou quoi. Non, je suis pas du tout au courant ça. Non, je pense que tu savais juste que j'ai fait rentrer chez les pompiers. Mais j'ai, en fait, à l'entretien, comme moi j'ai un dossier scolaire de merde et que j'ai enchaîné que des petits jobs et tout et tout, et regarde mon dossier, ils font en mode ouais, vous avez jamais vraiment. Enfin, vous savez pas ce que vous voulez faire en soi dans la vie. Et moi, je trouve la question super conne. Je dis, mais je suis en train de passer un entretien pour essayer d'être pompier. Donc, j'ai envie de faire ça. Ouais, mais est-ce que du coup, ça va pas être. Je comprends en vrai aujourd'hui. Est-ce que ça va pas être comme un autre job en mode vous êtes pompier, au bout d'un mois, vous lâchez. Il pensait que tu lâchais tout ce que je faisais. Je pensais que j'avais des petites lubies et tu vois. Et là, je commence à. En fait, j'étais susceptible de fou, tu vois. il dit. Le mec trop susceptible, même. Ah ouais, vraiment. Et il me dit, ouais. Mais ouais, non, mais vous comprenez bien aussi qu'on a besoin de gens fiables et tout. Et moi, je fais, mais vous êtes là. Vous avez 50 ans, vous avez fait votre vie, à mon âge, vous étiez où? Bah, on vous a donné la chance, c'était les pompiers. Tu vois, en fait, je me suis dit, peut-être que si je gueule fort, ça va faire du bon. C'était le stress marketing. Ouais. Bon, ils vont dire, ah ouais, il le faut. Ils se prenaient pour un TikTok. Chez les Lakers, vous êtes on signe. T'as du cran, petit. C'est exactement. En fait, j'étais vraiment saoulé, mais je me suis dit, alors si je laisse parler mon SEM, peut-être ils vont se dire, alors lui. S'il a pas peur de nous, il aura pas peur des flammes. Tu vois, je me suis dit ça. En vrai, ça se tient un peu. Du coup, je leur dis, j'aime bien. Je leur dis, frère, vous êtes là et tout machin, 50 ans, vos barbes et vous la racontez maintenant, etc. Nous, des petits jeunes, on essaie d'avoir notre chance. Vous nous prenez pas, etc. Pourquoi? Parce que j'ai jamais trouvé ma voix. Ma voix, c'est peut-être celle-ci. Vous me donnez pas la chance. Et moi, je commence à faire ça. Ah, tu tapais et tout? Ils font, ben, vous sortez. Oh, le... Et toi, t'as fait. Et j'ai fait, je sors. Bah alors, vous inquiétez pas, je sors. Et je suis parti, mais tu sais, en mode, j'ai fait, je sors, hein. C'est vrai, vous sortez. Oui. Il y en a d'autres. Oh, je me lève. J'y vais. Attention, j'y vais. Allez-y. Et c'est comme ça que j'ai fait. Et après, j'ai vraiment eu une lubie. Si tu veux tout savoir, j'ai voulu m'engager chez les gendarmes. Mais t'es vraiment dans le. Je voulais le même principe. L'uniforme. Ouais. Voilà, l'uniforme. En vrai, c'est l'action. En vrai, c'est la Bravem. C'est ça, je me suis dit. À Bravem? La Bravem, c'est ceux qui étaient en manif là. C'est les potes de Maxime. Avec les matras qui tapent et tout. Ah! Mais c'est pour ça que j'ai pas voulu faire. Ah, t'as pas voulu faire ça? Voilà, c'est. Et gendarme, t'étais chaud quand même? Non, gendarme, j'étais chaud. Et ça... Oui? Ah merde. On m'entend pas depuis tout à l'heure. Si, on t'entend bien, mais pas assez. Ok. Est-ce que tu peux aussi prendre son oreillette tant qu'à faire? Ah bah, marche plus, ouais. Ok. Mais c'est la première fois dans l'histoire de Xen qu'il y a un mec de la prod qui vient sur le plateau. Et qui me dit même pas à moi de sortir. C'est clairement là, je dois te ramener ton oreillette. Si c'est ton micro, ça va être en 10 secondes. Ouais, il y a beaucoup de cérémonies. Je dois te ramener ton oreillette à toi. Oui, mais c'est ton micro à la base. C'est un truc de parce que tu te déplaces. Ouais, non, mais oui, on fait le quart de coup. Tellement il y a niqué l'oreillette, frère. On se prend des apennines. On se prend des apennines, t'as rien demandé. Premier degré. J'ai vu Jules arriver, je me suis dit, oh les bâtards, ils m'ont fait une surprise. Moi aussi, mais pourquoi ils sont par là? C'est la dernière émission avant le Zénith. Je vous ai dit, on a plus rien. C'est fou ce que vous faites là. Attends, mais en fait, en vrai, c'est n'importe quoi. Du coup, l'oreillette, je vais me faire foutre, elle marche pas. Non, ouais, non, ils ont dit de la ramener. Bah, je vais pas non plus je reviens en plateau quoi. En vrai, c'est bon, tu peux t'affaire à la région. Oh, c'est fou. T'as fait quoi comme boulot à cette période? Est-ce que t'as vraiment. Parce que t'as vraiment pour le coup enchaîné des petits boulots. T'étais pas livreur à un moment? J'ai fait. Alors, je vais essayer de les énumérer. J'ai fait livreur, j'ai fait animateur, école, j'ai fait surveillant, j'ai fait boulanger, pâtissier, préparateur de commandes, livreur de colis. Ah, tous les jobs, tous les petits jobs que tu arrives à trouver quand t'as pas de dossier cool quoi, tu vois. C'est les 12 travaux du lycée en fait. Ta gueule, par pitié, je t'en prie. Attends, je viens de capter un truc, Grim. T'as jamais bossé de ta vie. Je viens de capter un truc de fou là. T'as jamais fait un job?
Oui. Ah oui, putain, oui, c'est vrai. Je suis en course, c'est logique. Non, mais non, moi, à ton âge, à 21 ans, j'avais déjà fait plongeur, barman, serveur. J'ai fait tous les métiers de restauration. Bah d'accord, c'est bien, Martin Matin, tu veux une médaille? Il a jamais bossé. C'est un truc de ouf, je m'en fous. Tu peux même faire pompier, j'entends, t'as la médaille d'honneur, je m'en bats les couilles, frère, c'est un truc de ouf. T'as jamais bossé ta vie. T'es vraiment un clochard. Toi, en fait. Tes travail. La boogie bombe est disponible. C'est bon. Le travail. Papa, je vais à la montagne, j'ai un bac montagne. Inoxtag, il l'a fait, il a 3 ans de moins que toi. Bouffon, va. Il a fait l'Everest, t'as fait quoi, toi? C'est bon, frère. En plus, j'ai fait un taf, j'ai eu un stage l'année dernière. Mais en plus, là, je suis stagiaire, j'ai un taf là. Je t'ai baisé. Ça se voit, t'as vexé un peu. Ça se voit, j'ai touché un point sensible. Alors que toi, ça se voit pas que t'es vexé, tu vois. Non, moi, ça va. C'est ça qui est cool. Moi, ça va. Eh ben, tu sais quoi? Dis-moi. On parle de petit job, on va en faire un. On va faire un tout de suite. Petite formation. Parce que je trouve que c'est important de faire ça. Ouais. T'as raison, Max. C'est tu vois, t'as fait plein de métiers. L'instant que t'as pas fait. Bonjour. Celle défense, tu vois. Déjà, première chose, hop là. Non, tu as peur? Je te donne juste l'oreillette. Elle marche. Donc là, déjà, on pense qu'il y a un danger, il n'y a pas de danger. Voilà. Attention, Henriette, test. Elle marche. Ça marche. Super. Okay, bon. Déjà, on est parti sur une bonne chose. Ensuite, je vais vous montrer à vous deux comment on fait la désarmation. Moi, non. Par rapport à quelqu'un de menaçant. Ne soyez pas menaçant avec moi, monsieur. Non, après, on dit désarmement, chef, non? Le désarmation. C'est ce que je dis. Donc là, je charge le pistolet. Hein, je charge le pistolet. Je parle pas de charger le. Tu vois ce que je veux dire? À bon entendeur. Ok, super. Là, il est chargé. Il y a des balles. Hein, d'accord, il y a des balles dedans. Balle à blanc. Je range. Balle à blanc. À blanc, oui, c'est comme tu veux. Comment on appelle ça? Je mets mon arme comme ça. Donc là, on voit le biceps. Ça n'a rien à voir, mais j'ai envie de le montrer. Là, si tu veux, il faut le dégoupiller. Je ne sais pas comment on dit, je ne connais pas le mot. Ok. Voilà, tu tapes un coup ici, un coup là. Non, avec les deux mains. Putain. Oh, mais Grim. Ah voilà. Alors ah, tu me vises pas, toi. Oh Je suis malade. Mais par contre, en vrai de vrai, c'est à blanc. C'est un blanc, bah oui, je sais pas comment on appelle ça. Blanc. Non, mais je parle du flingue. C'est ah, il est blanc, oui, il est blanc. Ah, bille quoi. Non, mais le flingue, ok. Oui, bille, bah. Le flingue est gris. Cartouche, je sais pas comment on appelle ça. Allez, super. Tu te lèves. Et tu te rassois. Tu restes assis. D'accord? Je vais faire comme ça, là. D'accord? Tu vas pas faire la même chose que ton, que ton camarade. Tu vas le faire vers le bouclier. Que ton camarade. Ton camarade. Toutes les barres, il a dit. J'ai du mal à m'exprimer, j'ai des problèmes d'élocution. Mais pardon, pas vrai. Là, tu tapes en bas et vers le haut. Oh là, il est bon lui, il est doué, il est doué, il sait, tu es corse toi, non? Oui, pardon, si je peux faire. Il est corse lui, il est corse. Attends, oui, si, laisse-moi tester. Oh, fils de pute. Mais c'est pas à blanc. Ça va? Ouais. Non, je sais. Mais je sais. Mais, Jill. Mais toi, c'était pas des balles à blanc. Mais à blanc, je sais pas, je connais pas cette connerie, moi. Ça va? Mais c'est la production. Mais ouais, je me l'ai tiré dessus. Mais j'ai senti une menace. Vous avez rien. Vous avez rien. Mais c'est pas, non, c'est pas un truc. On l'a recruté, c'est le mois cher. C'est un happening. Non, monsieur, désolé, j'ai senti la menace. J'ai vu une ombre arriver. Mais quelle menace? Je sais pas, j'ai vu une ombre arriver, j'ai tiré. C'est un arabe, c'est un raciste. C'est pas moi qui le dis. C'est. Wesh. Moi, moi j'ai tiré. Non mais monsieur, je sens une ombre derrière moi. Bon, je m'excuse. Mais non, c'est parce que je suis camerounais. Mais, mais pas du tout. Mais rien à voir. Si je le fais à mon gosse là, il en fait tout un plat. Moi je vois mon gosse courir. Comment ça, tu vas avec ton gosse, tu fais pas ça. Mais mon gosse il court dans le jardin, il prend des balles. Et bah tiens, attrape là la balle. Oui. Dans le genou, mais ça fait pas mal. C'est des conneries. Dans le genou, mais. Eh, c'est quoi? J'en ai marre. Vous me cassez les burnes. C'est bon, ok. Vous me cassez les burnes. Non, c'est bon. Ça le raciste. Il s'est pris une bastos. Après, en vrai, ça fait un clip de ouf, non? Happening! Let's go! Eh les gars, c'est pas le zénith, mais on en voit. Hein. Niveau blague, ça va mon frérot? Mais attends, tu t'es remis bien de la balle, en vrai? Ouais, ça va, t'as l'air chill. Mais frère, vous êtes complètement malade. Frère, écoute-moi bien, je suis désolé. C'était un vrai truc. Heureusement, j'ai des abdos. T'as tout tank. T'as bien repoussé la balle, frère. T'as tout tank. Tu vois, on a bien désarmé, toi. Mais pourquoi? Mais t'étais un peu menaçant. J'avoue, quand tu t'es levé en mode moi aussi. Je voulais juste faire, frère. Je suis à l'écart de fou. Déjà, c'est mon émission. Je participe même pas aux happenings, frère. T'es l'invité. Normal, il veut essayer, frère, un moment. Ouais, mais on est d'accord. Laisse-moi essayer. Laisse-moi essayer. C'est n'importe quoi. Je suis désolé. Bah surtout, ça me fait chier pour ton t-shirt qui avait l'air bien, mais. Bah ouais, ouais, moi, j'aurais bien gardé, moi. Il est de retour, les gars. Il est de retour, les gars. Il y a un trou. Abdos sur le torse. Bah oui, les gars, ça monte jusque là. Attends, si t'as des trous, frère. D'ici, on enchaîne. En 2018, tu feras ta dernière tentative de job, boulanger. Je croyais qu'il allait dire un autre truc. J'ai dit, attends, t'es gueule. Tu fais tes tanières. Tu fais tes tanières dans ta vie. Ah ouais, on parle de ça. Ah ouais, okay, je t'avais jamais dit. Bon bah. Dire quoi? Dernière tentative de job, ta gueule. Tu travailleras dans une boulangerie. Tu quittes ce job, 6 mois de chômage. Là, t'as genre 300 balles par mois pour vivre et tu dis,
Je retente un format. Je retente un format, exactement. Je me dis, t'as vraiment les infos, ça fait plaisir. Ah, mais frérot, mais je me dis là vraiment, en fait, genre, je pense que, tu sais, c'est comme quand t'es frustré d'un truc et que tu l'as jamais fait. Et tu, à un moment, tu te dis, vas-y, vaut mieux que je. Tant pis. C'est tout le temps là. Tout le temps là, ouais. tout le temps là. Mmh. Et en plus, YouTube, il a commencé à avoir de plus en plus de monde et tout. J'étais en mode, putain, mais ça a l'air trop bien, ça a l'air. Et donc, j'ai ce truc où je suis en mode, je suis trop dégoûté de pas avoir tenté au max d'avoir tout donné, tu vois. Du coup, je me mets au chômage, je gagne un tout petit chômage, etc. Et j'ai une idée, c'était découvre ton pays. Je traversais la France et tout, je trouvais des petits endroits qu'on connaît pas trop et tout, en mode regardez dans notre pays, c'est fou. Écoute, toi, un bon concept de raciste au final. Découvert quoi toi, t'es quelle origine toi? Moi je suis. Tu sais que j'ai jamais dit ça, si je le dis là, t'es une excuse de fou furieuse. Allez, hop. Mais t'es obligé de le dire après. Ça me dérange pas plus que ça. Ok, comme tu veux. Alors, du côté de mon père, je suis malien. Ah ouais? Et du côté de ma mère, je suis camerounais. Ok, bah ok. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? On est frères et tu rigoles. Non mais j'ai failli y croire. Au début j'y croyais. Comment ça t'as failli croire? Comment ça t'as failli croire? Attends, mais tu crois pas quoi? Je l'ai eu que ce soir Grim j'allais hein. Mais non mais j'allais dire ouais non mon ref et tout mais... Ouais vas-y ouais t'es malien camerounais. Malien camerounais. Bah force. Et je me rappelle plus ce qu'on disait, tu vois. Bah, je te disais que du coup, tu parce qu'en fait, il t'a interrompu. Non, découvre ton pays. Oui, voilà. On parlait découvre ton pays. Voilà, on découvre ton pays. Et etc. là, à ce moment-là, t'as les premiers abonnés qui arrivent. Ça commence à marcher. Ouais, tout doucement. C'est tout en doucement. Mode, on est 70, 80, tu vois. C'est. Ça veut dire pendant 8 ans, on était à zéro, quoi. Pendant 8 ans, on était à zéro. Là, on monte à 100, machin, c'est cool et tout. Ça commence quand même. Et voilà, et du coup, en fait, je kiffe. Et de toute façon, moi, en fait, je m'étais dit un truc. Je m'étais dit, j'avais 20 ans, je crois, quand j'ai commencé 21 ans. Et je me dis, je mets jusqu'à mes 26 ans. Pour qu'il se passe quelque chose. Ah ouais, la marche de ouf. Ouais, tu vois, 40, je me suis dit, là, je me déterre. J'étais prêt à bosser, même s'il fallait à côté de tout, mais j'étais en mode, ouais. Jusqu'à mes 26 piges, si à 26 ans, j'ai pas, genre, tu sais, un peu, genre 10 000 abonnés, une petite visibilité, un truc, ça y est, j'arrête. Mais ouais. Genre là, en soi, cette année, c'était fini. T'étais déterre à. J'étais vraiment déterre. Là, j'étais en mode, ça y est, je sais que j'ai tout tenté, je déteste tout, je prends du plaisir nulle part, je sais que là, je kiffe, donc je vais tout tenter. Ok. D'accord. Voilà. Tu feras 9 épisodes de cette série. Sûrement, c'est vrai. Ah ouais. Ah oui. Putain, c'est fou parce que si c'est des infos trop précises, je peux te faire dire n'importe quoi. Ouais, tu peux m'avoir si j'ai plus les infos. T'es allé à Meudon. Ouais, Meudon-la-Forêt. Après, tu pars sur une série fiction, journal de bord. Donc là, tu tentes un petit truc différent, un petit peu au niveau de la réal et tout. On voit que tu cherches beaucoup à ce moment-là. Je me cherche beaucoup. Et tu sais toujours pas ce que tu veux faire. Exactement. Et je me casse la gueule avec ça. Tu te casses la gueule avec ça, tu fais des caméras cachées. Voilà, et exactement. Patatrac, c'est ça qui marche. Alors que forcément, c'est pas le truc qui te plaît le plus. C'est pas le truc que je préfère le plus. Mais ça marche. Voilà. J'aimais bien le faire parce que j'arrivais à mettre mon humour, mon truc. Mais c'est pas l'exercice qui est le plus cool à faire. C'est pas les rendus que je préfère. Et ça se voit avec quand tu vois ce que je faisais avant. Bah, j'étais en mode, ça se voit que c'est pas ce que j'aime faire, des caméras cachées. Ouais, mais je l'ai fait. J'ai commencé à prendre. J'ai réussi à mettre du plaisir dans ça. Mais dès que ça a commencé à marcher, je me suis dit, bah, faut que je parte sur autre chose, quoi. Ouais, c'est ça. Alors la première vidéo, je crois, qui marche vraiment, c'est celle à la fac. Exactement. C'est la caméra cachée à la fac. C'est ça. Et c'est là où tu dis merde. Merde, ça a pris, faut que ça continue un peu, c'est un peu le début de quelque chose. Là, c'est vraiment. Ouais. Là, t'es comment à ce moment-là quand tu dis putain, enfin. Là, je suis terrifié parce que, en fait, ça se fait trop vite. Oui, parce que du coup, quand ça commence à marcher. Ben, en fait, en une semaine, moi, je m'étais laissé 7 ans, frère, pour que ça prenne. Ouais. Et en une semaine, je passe de 800 abonnés à genre 113 000. Ah oui? Ouais, je pense. Avec une vidéo? Avec la fac qui fait 1 million, 2 millions en une semaine. C'est quoi le concept? Ça s'appelle le pire élève à la fac. Et tu fais quoi dedans? Et je vais à la fac, du coup, et, ouais. Et je dérange les cours. En vrai, c'est même pas si fou, quoi. Mais genre, il y a quoi, par exemple, comme blague qui a été vraiment qui a marqué les gens dans la vidéo? Bah, à un moment, il y a un mec, je lui fais feuilleter un livre dans une bibliothèque pendant très longtemps sans qu'il sache que un livre. Un livre dans une bibliothèque. Uh-huh, ok. Après, il y a un moment aussi, je dis, vous trouvez pas que les Arabes, que les Arabes. Les Arabes. Après, je ne me rappelle plus. Ok, ouais, on se rappelle plus. On verra. Après, post-prod. Oui, après, après c'était de l'impro, j'ai plus. Ouais, c'est ça, c'est ça, sur le moment. C'est au feeling, on la note pas ça. Toi, c'est quoi, toi, Maxime, toi? En vrai, les Arabes. C'est quoi? Bah, c'est quoi? Bah, moi, il n'y a rien. Ok. Mais on n'a pas dit qu'il y avait quelque chose? Oui. Bah, non, mais. C'est ce qu'il dit aussi. Les caméras cachées. C'est pas forcément ce que tu voulais. Hein, c'était pas le concept de base. Ça évolue assez rapidement. Ouais. Tu trouves ton nouveau concept ensuite. Celui qui te correspond le mieux, c'est les on va où. Tu commences à partir un petit peu à droite, à gauche. On va sur Google Maps. Boum. On décide d'aller vraiment dans l'endroit en vrai. Tu sélectionnes sur une map, machin. Ouais, et je te jure qu'on va faire la même chose maintenant. C'est bon ou pas? On fait un on va où là? On va faire un on va où. Là maintenant, on fait un on va où. Alors que j'avais dit que ça t'est arrêté, c'était fini. On va où là? C'est une exclue encore de fois. N'importe où dans le monde.
n'importe où dans le monde, on fait un on va où là maintenant, écoute-moi bien. J'ai prévu la prod, je leur ai dit les gars, comment on fait si par exemple, je sais pas, ça tombe sur Miami, Bali, Seychelles, genre des grosses destinations bien chères et tout. Ouais. Ils m'ont dit, la vie de ma mère, on se prend 3 jours là, on y va, c'est pour ça qu'on a vu avec ta prod, c'est pour bien passer quelque chose. C'est parce que là maintenant, on fait un on va où les gars. Maintenant tout de suite, alors regardez sur mais le LED. C'est une dinguerie. On va sélectionner sur le LED à partir de maintenant où est-ce qu'on va tomber. Un bail genre Miami, un bail stylé, un. C'est mais maintenant même, que tu as même un Ukraine ou quoi. Non. Pour la chapelle. Les gars, c'est le jeu. Non, mais, non, mais on va pas relancer. C'est ça. Non, mais on relance. C'est ça que chiffre. Non les gars, c'est ça que chiffre dans on va où, c'est que t'es. Tu sais pas. Attends. Mais non, mais c'est pas. On va où, c'est pas des vacances de base. Tu vas et tu. Oui, mais il y a d'autres. Mais non, deux fois. Ça arrive dans le concept. C'est deux fois la même chose et. Mais parce que. On va en Corée, non. On avait prévu des jours. En Corée. En Corée. Bon, bah on y va, on y va. Bah on y va. Qu'est-ce que je te dis, on y va. Bah on y va. Bah oui, on y va. C'est on va où, les gars. Incroyable. Écoute, non. Mais non, c'est incroyable. Tu vas où? Tu vas à Vegas, tu vas dans les plus beaux trucs du monde, tu me mets à Port-la Chapelle. Ah, mais je sais pas, c'est ça le problème. Vous pensez qu'on va où, c'est des vacances, alors que frère, quand ça tombe, ça tombe. Vegas, c'était pas incroyable. Mais où on est? Il y a de la piste, il y a de la merde. Il y a de Blue Match, il y a Eisenberg, il a pas fait. Mais il touche pas. Mais non, mais c'est pas de la piste, frère. Ça pue la merde. On peut pas avancer. Regarde, il y a un gars, il se fait de la merde. C'est quoi ça? C'est pas grave. Mais c'est le jeu, c'est le jeu. Non, je suis pas sûr qu'il ait piqué ou quoi. T'as pas piqué? Y'a quoi? Waouh! Ah, il a peut-être piqué. Il a piqué là? Il a peut-être piqué. Ouais, il a peut-être piqué. Ah, ah, mais ah, mais touche pas ça! Ah, il a. C'est pas. C'est pas... Ah, non, il a peut-être piqué. Il a peut-être il a piqué là! Ça, ça dégoûte, frère! Mais c'est les aléas, c'est ça, on va où? C'est pour ça que c'est excitant, frère, tu sais pas ce qui t'arrive. Mais frérot, t'as changé de couleur 3 fois là. J'ai de quoi? T'as changé de couleur 3 fois là. Ah, c'est le jeu, c'est le jeu, il est bien le jeu. Il est trop bien le on va où? On reprend la petite interview? On reprend, frérot, y'a pas de problème. D'ici, là, à ce moment-là, les vidéos cartonnent. Et paradoxalement, excusez-moi, je fais des mots avec plusieurs syllabes, ça me dépasse, vous êtes des connards. Non mais j'aime pas emploi des mots de fou, tu peux dire ça. J'emploie des mots de fou. Dis pas, de surcroît genre. Je suis désolé, j'emploie des mots de fou, c'est la vie. Paradoxalement, n'en déplaise à certains. Si t'as attendu le succès, tu l'as attendu pendant longtemps et tout, tu prends un peu tous les travers qu'il y a avec. On pourrait même citer... Ouais, frère Roger Charbonnet, ça date pas d'hier. La daronne, je l'ai appris. Il dit pas frérot, hein, je crois, il dit un mon haine, hein, je crois. J'ai vu un tweet qui disait ça. Mon haine, ça date pas d'hier. Je crois, je te jure, j'ai vu un tweet qui disait ça. Je suis pas fier de celle-là, comment elle a tourné. Ah ouais? Non. Ah, tu tweets un truc? Ouais. Non, tweet pas. Ouais, pourquoi il est brillant comme ça ton iPhone? Tu le laves tous les jours? Ouais. C'est un truc de ouf, il brille de fou. C'est quoi ce truc bling bling là? C'est quoi ce téléphone de con? C'est des téléphones de con, frère. Attends, quoi, c'est téléphone de boubou? Tu écoute-nous là, range ton tel, frère. C'est fou. Je m'exprime. Ok. Il y avait Fortnite là sur ton téléphone. Ouais, c'est ça. Il parlait de la bombe truc là. La boogie bombe. Okay. La boogie bombe. Ok. Frérot, là à ce moment-là, le succès se bouscule. C'est boubou, c'est boogie. C'est boogie boost. Moi, j'étais que boogie bombe. Moi, vous parlez que de boogie bombe. Il y a que ça, rien d'autre. Moi, vous parlez que de boogie bombe. Le succès arrive. Tout se bouscule et tu prends un peu tous les travers du succès, c'est-à-dire commences à charbonner de fou, à pas compter les horaires, tu te fous la tête en l'air, tu te fais un peu arnaquer à droite à gauche avec les OP, etc. Comment tu vis cette période? Cette période, je la vis très bizarrement parce qu'en fait, t'es dedans de ouf, donc en fait, même au début, en fait, tu découvres. Et tu te dis en fait, c'est ça en fait le succès, c'est ça quand ça marche pour toi, c'est ça. Oui, tu alors, t'avais pas ouais, en fait, ça marche pour toi, alors ça marche pour moi. C'est quoi, c'est une jingle de quoi ça déjà? De. T'as inventé, je pense. Ça marche pour moi. C'est ça. Non, c'est une chanson. Non, je suis sûr, c'est un jingle. Ouais, t'as encore niqué un moment, mais c'est pas. Ouais, tu niques un moment. Vas-y, du coup, si ça marche pour toi. Voilà, Grim a fait sa blague, les gars. Voilà, il a niqué voilà, le moment, Grim, et voilà. On clip et on reprend. Du coup, moi je me dis, c'est peut-être la norme, quoi. C'est comme ça que ça se passe, c'est le milieu, machin. Je sais pas, je connais pas trop au début et tout. Et au fur et à mesure, je me rends compte que non et tout. Mais en fait, quand t'es dedans,
Tu te dis, bah, j'ai pas le temps de me reposer, chialer sur un truc, donc en fait, il faut à chaque fois réagir. Et au début, je le vis plutôt bien, parce que heureusement, les gens, ils sont cool, etc. La commu et tout, les retours, c'est trop bien. Mais à côté, je suis en mode, ah ouais, faut quand même être costaud. Hein, Est-ce que t'avais pas peur d'être genre un one-hit wonder? Genre en mode, t'as fait une vidéo qui marche? Et tu dis, après, là, celle d'après. Ouais, si, de ouf. Donc t'avais la pression celle d'après. Bah ouais, j'avais trop la pression, surtout que du coup, au début, je me forçais un peu à continuer de faire des caméras cachées. Ah ouais. Et donc j'en ai enchaîné peut-être 4-5 après. Et qui marche de fou. Et je suis en mode, putain, en fait, faut que je fasse ça, mais j'ai plus envie, machin. Et en plus, en parallèle, c'est l'époque où t'as Greg Guillotin qui commence à exploser de fou. Donc je suis en mode, frère, lui, il le fait trop bien. Et Ibra TV, c'était déjà passé là. Ibra TV, c'était un peu avant. Okay. Ouais. Mais et du coup, je suis en mode. Et du coup, je me dis, nique sa mère, j'ai quand même tenté. Du coup, j'ai lancé Léon Va Où, mais à la base, j'ai eu une baisse de stats de fou furieux. C'est-à-dire que je passais de 500 000 vues en une semaine sur une vidéo à 70 000 en un mois. Quoi. Ah ouais, du coup, t'étais en mode. T'étais quand même en mode, je continue. Mais je continue. Moi, je préfère faire un truc que je kiffe que de faire un autre truc, que faire un truc que je kiffe pas. Je suis en mode, frère, tant pis, même si je kiffe pas et que ça me ramène. Si je kiffe et que ça me ramène moins, au moins je kiffe. Est-ce que t'es plus chill aujourd'hui sur ça? Genre, est-ce que t'es toujours en mode, faut rien que je lâche, faut que je charbonne tout le temps et tout? Ou est-ce que t'es plus calme, t'es en mode, vas-y, je tente des trucs, je sors? Ouais, maintenant, je suis plus comme ça. J'ai plus de facilité maintenant à me dire, ok, on pose un peu le rythme s'il faut, je teste ça même si ça me ressemble pas de base. Et en fait, genre, jusqu'à maintenant, en fait, tu te cherches tout le temps un peu, tu vois, t'es tout le temps en train de te chercher, je pense que je me cherchais aussi. Et même Léon Va Où et tout, tu vois, c'était dans cette époque-là, période-là, c'est ce qui me fallait. Va Où, c'était pour te chercher et tu t'es trouvé. Je me suis trouvé grâce à Google Maps. Ah ouais, c'est grâce à Google Maps? Bah ouais. Ouais, ils m'ont dit où j'étais. Comme un joggeur. Ouais, c'est dingue. Ah ouais, c'est fou. Une dinguerie de faire ça. Une dinguerie. Non, je suis dégoûté. C'est une dinguerie. mais ouais, du coup, je pense que je me cherchais beaucoup. Et aujourd'hui, je pense que je me suis un peu plus trouvé sur certains trucs, sur ma direction artistique ou perso et tout. Et je pense que du coup, je suis plus en détente, tu vois, j'appréhende un peu moins. Toujours le truc, quand tu sors un nouveau truc, t'es en mode, ah, j'espère que ça va plaire. Oui, mais tu trouves que là, t'es inventé. Mais ouais, je suis plus serein, je suis plus tranquille. Je suis plus confiant. Bah, moi, mon frérot, je sais pas, Grim, si t'es d'accord avec moi, mais ce succès, il est amplement mérité. Bah, frérot, et les gens pensent vraiment que t'es très gentil. Et tu sais, t'as commencé avec les caméras cachées, nous, on a fait la même chose. On a fait une petite caméra cachée, on est allé demander aux gens ce qu'ils pensaient de toi. Et tu vas voir que, franchement, ils sont bien surpris par les compliments que tu vas avoir. C'est plein de compliments et tout. Juste en réalité, prenez bien le fichier 2. Le fichier 2, s'il vous plaît. Il y a deux fichiers qui se ressemblent. C'est le deuxième, envoyez-le. Et tu vas voir que ça va être. J'adore les trucs comme ça. T'as vu Ben? Putain, mais quel fils de pute, celui-là. Ma caméra cachée, Gypsy de merde, là. Le truc gentil, je crois. Oh putain! Ils m'ont mis des viands, ces bâtards. T'as chez mon jean en plus, regarde-moi ça. 2 ans de ton salaire, ça, Ben, le jean comme ça. Coupé, Ben, là, je suis. Attends, enlevez-moi de l'image. Enlevez-moi de l'image. Les Seigneurs des Anneaux, l'adaptation, ils ont mis. Enlevez de l'image. C'est n'importe quoi, j'ai regardé les livres, ils sont pas morts. C'est pas une caméra. Coupé là. Tu te dépêches de venir, je vais devenir fou là. On enlève la Putain, merde. Enlevez-moi ça, les gars. Aragorn, il est pas noir. J'ai vu les livres, j'ai tout lu. Passe pas devant moi quand je suis en train de faire des trucs. Pardon, maître. Dégage, dégage. Il est où ce connard du son là? Pourquoi j'ai pas l'oreillette encore? Je vais la mettre dans le cul, l'oreillette, il la met dans le cul, l'ingé son. Après, je la mets dans mon oreille. Attends, mais t'as dit quoi sur Aragorn là? Il est pas noir? Mais c'est même pas une caméra cachée ça, frère. C'est juste toi qui t'es fait filmer en scred. Fichier 2, je dis. C'est toi filmé en scred, c'est pas ça. Fichier 2, il met quoi ton problème avec les persos noirs là? D'ici, il y a une période qu'on n'a pas abordée souvent avec les invités. Ouais. Et les invités qu'on reçoit, tu sais, c'est la période un peu du confinement. Parce que c'est vrai qu'en général, tu vois, c'est une période où les gens sur Internet étaient un peu. En vrai, confinement, c'était pas meilleure époque. Tu te levais, les cours, c'était en télétravail. Hop, tu vois, toute la journée. Après, tu te couchais à 5h, tu te levais à 8h. Encore du LOL. Non, mais je vois. Il a rien. Après, t'arrivais, tu jouais tous les jours. Il y a un moment, il va buter. C'était un bon moment dans le confinement. Il y a un plafond, lui aussi. Il y a un plafond, là. Et tu vois, le confinement, tu vois, c'était un bon truc quand même. Parce que tu vois, il reprend la phrase. T'es posé et tout quand même. Là, il patauge. Là, tu vas avec tes potes. Là, il a plus rien. Tu faisais un petit peu en Minecraft. Là, on a plus rien. Là, il patauge. Du coup, il est en mode, vas-y, je continue. C'est quoi, mais moi, je fais quoi en fait? Vous me désamorcez? Franchement, fais rien, frère. Franchement, en vrai, fais rien. Tu vois, en général, les créateurs pendant le confinement, c'était un peu une émulsion. Ils étaient en mode, on est à la maison, on peut créer, il y a plein de gens sur Internet et tout. Toi, pour le coup, ton concept, c'était de bouger, d'aller dehors, d'aller à l'extérieur. Comment t'as vécu cette période d'un point de vue du coup, Il est resté chez lui, il a pleuré. C'est bon, remets-toi, mon grand. Oui, mais pour des raisons perso. Remets-toi, mon grand, t'es beau comme un cœur. Et ça, je voulais pas en parler. Ah. Pour des raisons perso. Non, mais c'est pas grave. Mais non, ça, je l'ai vécu. En vrai, moi, le confinement, je l'ai vécu en deux étapes. En très mal au début, quand vraiment on pouvait vraiment pas bouger, etc. et tout, horrible. Et la deuxième étape, c'est quand ils ont commencé à être un peu plus souples, en mode tu peux faire des fiches société pour aller bosser, machin. Tu sais, quand il y a eu ça, ça a permis de continuer de faire des tournages et tout. Et ça, moi, je l'ai plutôt bien vécu parce que ça nous a permis de continuer de faire nos trucs et tout. Et c'était spécial, mais en fait, genre, tu sais, je sais pas, tu rentres dans un truc tu t'habitues, tu vois. T'es en mode, ok, bon, c'est comme ça.
Et en fait, une fois, en fait, comme le début, je l'ai vraiment mal vécu, la suite, j'étais en mode. Ok, ça va, c'est mieux que le début, donc ça va. Tu vois, oui, ça, tu... Même si ça reste comme ça, ouais. Ça va, on s'en sort. Tu as réussi à t'adapter, t'étais pas en mode c'est la merde de fou. Ouais, ça va, ouais. Et moi, ça m'a permis en plus aussi de. À l'époque, j'avais amené des trucs sur Insta en mode des formats Insta qui marchaient très bien et tout machin. Et du coup, j'étais plutôt content en mode ok, c'est cool. Ouais, t'as réussi à t'adapter. Cool. T'as réussi à t'adapter. D'un point de vue créatif, c'était cool. En tout cas, JC, si on doit dire un truc sur toi, Grim, je sais pas si t'es d'accord, c'est que t'es un peu. Tu vois, si on analyse ta personnalité, t'es un homme de défi finalement, tu vois. Un homme de défi. Et on voulait te rendre un petit hommage par rapport à ça, tu vois. Ouais. C'est nous aussi, on a décidé de se lancer un petit défi. C'est Ben qui a tenu à le faire. Il est très fan de toi et il voulait te rendre ce petit hommage en fait, de se lancer lui aussi dans le défi un peu de sa vie. Défi, battre des records et tout. C'est ça. Et il veut battre un record du monde en live. Et c'est le record du monde d'apnée. Donc on a installé une petite piscine et le but c'est qu'il arrive à rester le plus longtemps possible en apnée. On va essayer de se connecter avec Ben qui va tenter de battre le record en live. Minutes, non c'est 11, je sais plus, c'est assez long. Parce que là c'est beaucoup hein, l'apnée, là, le record il est beaucoup. Hein. Je crois que c'est 11 minutes. Et quand j'ai vu le souffle qu'il avait sur Cascada là, je suis pas rassuré de ouf. Hein. Mais non mais Ben c'est un battant. Ben c'est un battant. Ben, on peut se connecter avec Ben en régie, je sais pas si c'est possible. On va tenter de battre en direct le record du monde d'apnée en live dans l'émission. C'est une petite promesse qu'on s'est fait, je t'avoue que... Salut les gars. Salut Ben, salut mon gars. Salut Ben. Vous voyez, ouais. Yes. Je suis pas hyper confiant pour le record. Mais si, Ben. Mais si mon grand, tu vas y arriver. Tu T'es un homme de défi. C'est 15-17 minutes, Ben. Tu tiens le coup tranquille. 15 minutes. Non, bah. 11, je crois. Mais 11, c'est beaucoup quand même. Mais juste, tu fais 12. Je t'emmerde pas. Non, mais parce qu'en vrai, je pense que je peux faire une 30. Ben, bah oui, 13-30, c'est parfait. Ben, le record, c'est 11. Tu nous fais 12 et tu nous régales. T'as pas besoin de faire beaucoup. Tu peux peut-être faire le record de l'immeuble. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais parce que l'eau, elle est à 12 degrés, donc c'est vraiment très bien. C'est comme le temps que tu dois faire. Mets ton petit masque et c'est parti. Allez, comme dans Avatar 2, allez, hop. Allez, Ben. Allez, Ben, tout le monde y croit dans le chat. Un petit mot pour le chat, il croit en toi là. Souvenez-vous de moi. On va se souvenir de toi avec ton record, t'inquiète pas. Soutenez-nous de moi. Non, mais il a dit soutenez-moi. Soutenez-nous de moi. Ouais, vas-y maintenant, Ben. Allez, allez, mon gars. Ben, les gars, tu veux pour Ben. On revient dans 2 minutes, on va voir ce que t'as fait. Putain, il est chaud. Coupez-le, les gars. On revient avec lui dans quelques temps. Il est déter. Putain, ça c'est fort. On va essayer de revenir dans 2 minutes. Mais là, tu vois, il a parlé d'eau froide. Moi, anecdote, ça fait 2 semaines, j'ai plus d'eau chaude. Oui, c'est vrai. Tu nous en as parlé il y a pas longtemps. C'est galère. Et du coup ? Bah j'ai des douches froides. Pour ça tu te laves pas ? Sinon je me lave, mais des douches froides, mais c'est galère. Bah tu sais que lui il se lave à l'eau froide tout le temps, genre. Lui il abuse. Non, quand il fait chaud, quand il commence à faire chaud, tu te laves à l'eau froide, ça va. Ça va ? T'en fais beaucoup des caisses. C'est quoi la chute du truc ? Non, là par exemple, ça va avec Ben. Oui. Non, mais bah en fait, il a parlé d'eau froide, du coup, ça m'a fait penser que moi, tu vois, ça fait 2 semaines, j'ai pas d'eau chaude et que bah je galère, tu vois, genre tous les matins je me lave. Par exemple, quand t'es avec des gens, tu ouvres un robinet direct, tu racontes ton histoire de la douche. Bah ouais. Dès qu'il y a un rapport avec de l'eau froide. Dès qu'il y a de l'eau, tu parles genre là. Ça me rappelle que ça fait 2 semaines, j'ai pas d'eau chaude, tu vois. C'est un truc de ouf. Tu vois, mais juste dans le chat, voilà, si quand je lancerai un live, vous pouvez vous sub pour que je puisse me racheter de l'eau chaude. Ouais, subez-vous. Non, mais pas sur sa chaîne. Ouais, subez-vous. Vous avez raison. Là, tu vois, c'est ta première intervention où vraiment, je trouve que t'as été pile dans le mille. Subez-vous, les gars. Non, mais c'est pas. Subez-vous de fou. Mais pas chez toi. On régale ça, on se régale, et là, c'est douche chaude sur douche chaude. Enfin, t'inquiète. Ouais, continue l'interview, là, je t'en colle une. Oh, tu te frottes les mains, t'as froid ou quoi? Il fait 30 degrés, frère. Jesse. Maxime. Et là, du coup, maintenant, t'enchaînes. On parlait de défis, t'enchaînes. Nouvelle direction en termes de prod. T'essayes vraiment de faire des trucs un petit peu fous au niveau des défis et tout. Je le sais parce que voilà. On fait souvent des vidéos ensemble. C'est vrai qu'on tourne un peu ensemble. En route! En route! Aïe, 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 Il a dit que la séquence. Chiantos. T'es pas dans le truc. T'as fait une vidéo avec des cascadeurs, t'as fait une vidéo en torche humaine. T'en as fait une autre, on peut pas encore en parler. J'ai failli mourir, premier degré, mais pas que moi. Sport samedi si tu veux savoir. Bah voilà, samedi les gars, on a vraiment failli mourir. Je sais pas si tu vas tout mettre. Je vais tout mettre, cousin. En ralenti. Il y a des séquences, et péter un câble. Mais t'étais pas là, Grim. T'as même fait une vidéo avec des boxeurs, t'es parti en Thaïlande pour faire un combat pro. Est-ce qu'il y a une fois vraiment où tu t'es dit, ok, là je suis allé trop loin, je commence un peu à regretter, à me dire chaud. Alors honnêtement... Qu'est-ce que t'es beau, putain. Ah pardon, excuse-moi, je pense à votre. C'est super chiant quand tu penses à moi. Ah, tu connais quand je fais ça chaque fois. À chaque fois tu fais ça, et c'est chiant. T'es chiant. Fais que ça. Arrête de faire ça. Et alors honnêtement, je crois pas. La fois je me suis dit, là je suis allé trop loin, c'était le Mont Blanc, mais pas dans le sens, ah c'est trop dangereux, dans le sens, ah ça m'a fait chier. Ah chiant, ouais. C'est vraiment en mode, j'ai trop fait pour un truc, ça prend pas avec moi, j'aime pas trop. Ouais, tu kiffais pas l'expérience. Ouais, voilà, c'est ça. Mais à un moment dans la vidéo, tu commences
à dire on le fait pas quoi. Tu étais en mode je commence ouais, à ouais, faire bah, pire, tu passes par toutes les étapes aussi, mais sinon ouais. je suis pas passé par mais par contre oui mes équipes et tout m'ont souvent interdit quasiment de faire des trucs parce que tu t'en bats les couilles de ce que je raconte. Non pardon, pas de côté, j'ai cherché un truc, mais vas-y continue. Mais t'envoies un clash à Inoxtag par contre? Non, à dire le Mont Blanc ça me fait chier, genre c'est un... Ah non, j'envoie pas de clash. Inox il kiffe, tant mieux. Les gars, arrêtez de dire Ben dans le chat. Quoi Ben, laissez Ben tranquille. Ben il est passé tout à l'heure, il a fait. Non mais attends, on a du temps jusqu'à 12 13 minutes. C'est bon, arrêtez de parler de Ben. Et Maxime, ça me dérange, j'ai l'impression que je suis en trop là sur le plateau. Non frère, je suis désolé, je cherche mon foulard. Tu sais, tu m'as mis d'autres à l'heure, je l'ai essuyé et je trouve plus mon... J'avais un foulard. Ah, t'as mis ton foulard, attends, il est où? Je sais pas où il est. Bah, attends, on trouve ton foulard comme ça, t'arrêtes de faire chier. Parce que là, je pars dans le vide, ça sert à rien. Non, tu parles pas dans le vide, frérot, je te jure, je t'écoutais en plus. Je t'écoutais en même temps, c'est juste que je cherche en même temps le. C'est ça? Oh. Ah oui, c'est ça, voilà. C'est ça, non? Qu'est-ce que ça? Oh, attention! Attention! Attention, Jitsi! Ah non, c'est un truc de ouf! C'est un truc de ouf! Ouais! C'est un truc de ouf le budget qu'il y a dans cette émission! Ouais! C'est un truc de ouf le Putain, budget! Heureusement, t'as retrouvé le foulard! Les gars, l'émission, c'est une dinguerie, y'a pas que de Zénith en fait! Olé! J'ai vraiment. Y'a un taureau qui est venu! Non, tweet pas! Mais non, mais non! Putain, non, tweet pas, frérot! Non, mais en vrai, tweet non, pas, là, c'est bien, c'était non? C'était marrant, non? Mais frérot, t'as fait venir un taureau en mode crocodile. C'est un vrai buffle! Non, frérot, en vrai, c'était pas mal, non? Mais j'ai encore Fortnite! Mais t'es pour Fortnite, toi! J'attends la boogie bombe! Elle est de retour bientôt, je crois. J'ai l'impression. Ah putain! T'as poussé le desk. Non, c'est bon, regarde. Non, pardon, du coup, je suis un peu coupé. Je me rappelle plus à chaque fois. Tu parlais du Mont Blanc, j'ai que là, c'était chiant. Oui, non, ouais, même, moi, je sais que les moments où c'est plus mes équipes qui m'ont dit non, ça on le fait pas. Et y a les... Bah, c'était un peu ma deuxième question, c'était en mode t'es proche dans tout ça. Ouais. Comment ils réagissent quand tu pitches une vidéo, genre on veut faire tel truc? J'allais spoiler la vidéo de samedi, genre par exemple. genre faire ça par exemple, qu'est-ce qu'ils disent? Ça en vrai, bah, par exemple, bon là les gens ils comprennent pas, mais la vidéo qu'on a fait samedi, par exemple, là maintenant, les proches ils sont en mode ça va maintenant, ça va, si c'est ça c'est cool. Tu oui. vois. Mais quand je pitchais des box thaïlandaises en Thaïlande, quand je pitchais des Mont Blanc et plein d'autres trucs que j'ai en tête encore et que je ne peux pas parler encore. Et oui, tout, un truc que tu préparais là d'ailleurs en Samsung. Oui, exactement, bah, je t'en avais parlé. Ça, par exemple, tes proches, pas ouf. Bah, bof, tu vois. Ouais, mais ils sont en mode, on a hâte de voir et tout, mais c'est vrai qu'ils sont. Tu vois. Mais le plus, en gros, en vrai, ma famille et tout machin, mes proches perso, franchement, ils ont accepté, ils me connaissent et machin. Oui, mais genre, par exemple, c'est le plus compliqué, c'est genre les agents, les trucs. Eux, à chaque fois, ils sont en mode, ah frérot, là, ouais, non, ouais, là ça va loin. C'est gourmand, là. Compliqué. Là, ça va loin. C'est gourmand, là. Un peu gourmand, ouais. Attends, les gars, en vrai, arrêtez de parler de Ben. On va voir vite fait Ben si vous voulez. La régie, on peut aller voir vite fait Ben parce que le chat fait que spam Ben depuis tout à l'heure. Mais pourquoi il parle de Ben? C'est parce que. Bah, son record. Le record, mais frère, c'est pas mal. Ah oui, non, mais il est encore du. Bah, il est bien là, hein. Bah, c'est bien là, il tient la route. Ah oui, il est bien. Il est impassible. Impassible. Mais putain, mais t'as 5 minutes, c'est déjà trop bien. Frère, allez, Ben. 5 minutes, c'est énorme, mais je pense qu'il a vraiment capté le truc, genre. Ben, on est tous avec toi, on revient après. Allez, Ben, allez. C'est déjà la moitié, Ben. Allez, Ben. C'est un monstre. Il est fort de fou, ce mec. C'est carré. Un monstre, très très carré. Un monstre. Et il planche. Mais je pense qu'il s'est mis dans le mindset qu'il faut. Ben, ouais, c'est ça. Il est déjà à plus de 5 minutes, frère. C'est énorme, 5 minutes, c'est énorme. C'est un truc de ouf. C'est énorme. Il est presque à la moitié. On dit dans 2-3 minutes quand même. Ils mettent F, c'est pour genre fort. Ah oui, force. Ben, c'est pas si tu nous entends, frérot. Tout le chat t'envoie des F de force. Toutes les ans, ouais, ça t'envoie des F, même des FF carrément des fois. Ah ouais, c'est en mode force foudroyante, genre. Ah ça, ouais, c'est abusé. C'est bravo Ben, tiens le coup, hein. Bravo Ben. Bon, ici, on va revenir un petit peu après sur Ben, on va continuer un petit peu. Moi, j'avais une question sur tes projets, du coup, vu que tu les multiplies, comment est-ce que tu les imagines? Est-ce que t'as quelqu'un qui t'aide à la créa? C'est quoi le processus créatif, tu vois? Ouais, on est quand même une bonne petite équipe sur la créa. Il y a mes agents, il y a ma copine qui réfléchit beaucoup aussi avec moi et tout, qui a un peu le même cerveau que moi sur ça, donc c'est assez fou. Pourquoi tu rigoles? C'est un truc de ouf, mais c'est hyper méprisant. Mais il parle de sa copine, tu rigoles, mais... Je pense à une vanne que pouvait faire Grimm, c'est pour ça. Hein? Vas-y, monte. Vas-y, bah dis-la. Bah, il y a Tom aussi, je pense qu'il peut l'aider dans les projets. De quoi? Non, il y a Tom qui peut t'aider aussi dans les projets. Qui, Tom? Tom PA. Tu fais des blagues d'écrivain, tu te rends compte ou pas? Non, mais... Bon, il y a pas Tom, alors. Y'a pas Tom dans l'équipe. Y'a pas Tom, ok. L'équipe de créa. Y'a du monde qui t'aide, quoi. Y'a du monde, y'a des agents, machin et tout. On réfléchit un peu comme ça et tout. Mais c'est vrai qu'en général, je pars d'un délire de ma tête et je me dis ça, j'aimerais bien qu'on fasse un truc comme ça. Ok, ouais, je capte. Et je t'embrasse. Je capte. Tu le fais pas. Hein. Okay. J'entends tout. Ok, je capte. Et du coup, ouais, c'est comme ça que tu viens et t'as toujours des idées d'avance ou est-ce que. Non, pas toujours. Planning, bah, pas toujours. En vrai, c'est très impulsif les idées qu'on trouve comme ça. Tu te mets toujours la presse de il faut que j'en sorte tant par. Non, ça a plus maintenant. Ouais. Genre quand il y a plein d'idées qu'on arrive à les produire assez vite, bah du coup on a un stock de fou et c'est trop cool.
Mais sinon, s'il faut laisser 2-3 semaines, un mois entre chaque truc pour que ça arrive, je suis plus dans le truc en mode il faut 3, 4 mois, 5, 6. Hein. 5, 6 mois, frérot. Chill. Ah oui, ça, et d'ailleurs, en parlant de ça, de la surproduction et tout, toi, t'es toujours dans le. T'es pas dans la surenchère parce que ce serait péjoratif, mais t'es toujours dans les grosses produits. Oui, je vois combien de dans les grosses produits. Tu mets des trucs de fou et tout. Est-ce que t'as pas peur justement de ça, d'arriver soit à court de sujets, soit à court d'idées de prod. À un plafond de verre créatif. Et même de toi-même te saouler. Tu parles bien toi en vrai. Hein. Il est fort. Tu vois, même toi, au bout d'un moment, genre chiant, tu vois. Te dire j'ai envie de faire autre chose, comme à l'époque quand tu faisais les caméras cachées, ouais. Tu vois. Ben, en fait, moi, je suis en mode. Tant que j'ai des idées, j'estime que tant que j'ai des idées, c'est que ce que je fais et ce que je veux faire me plaît. À partir du moment où j'ai plus d'idées, où ça, dans ma tête, ça n'arrive plus à venir, j'estime que c'est en mode. Bah, ça veut dire que je suis en train de m'en détacher, que c'est plus trop ce que je veux. Donc, si demain, j'ai plus d'idées de gros trucs vénères, c'est que je suis plus déter pour les trucs vénères. Donc oui, je pense t'es à l'aise avec ça. Et... C'est ça, ouais. Et je pense que je serais attiré par d'autres trucs. Et si demain je suis en mode, genre, je sens que j'ai trop envie, que je peux grave kiffer faire des reacts, je pense que j'irai faire des reacts, même s'il y a des gens, si je perds des gens, si je passe pour un bouffon parce que avant je faisais ça, maintenant je fais ça, je pense que je m'en bats un peu les couilles et que. Ouais, tu fais vraiment ce qui moi, te plaît. Moi, ou... voilà, je sais qu'aujourd'hui, ce qui m'excite, j'arrive pas à m'exciter autrement en dehors que toi et les grosses idées comme ça. Faut que ça me stimule de fou. Et c'est ça. Et donc, si demain il y a un autre truc qui me stimule et qu'il est beaucoup plus tranquille, bah, tant que ça me stimule. Ouais, bah, tant que ça te plaît, ça ira. Donc, c'est un peu ce que disait Masqué aussi. En vrai, il s'est dit, il était dans la surproduction, les recettes, les machins et tout. À un moment, il a pété un câble, il a dit, je fais que ce qui me plaît. Mais c'est en fait, exactement ça. Quand tu rentres aussi maintenant. On fait pas de vidéo. J'ai sorti une vidéo hier. Non, mais à un moment, ça va vous faire chier aussi. Ben, les gars. Ah oui, Ben. Ben, comment on est? On peut aller voir où il en est actuellement? 9 minutes. Waouh! Ah, mais c'est. C'est Guinness ça, non? C'est Guinness qui est en train de prendre Guinness qui prennent les infos. Ouais, ils sont en train de prendre les infos. Ils prennent le temps? Ils prennent les infos pour leur corps là. Ça tourne encore. Aïe. On va peut-être. Après, faut peut-être dire qu'il y a de. Il s'appelle pas de morte quoi, faut qu'il y ait Benjamin pour le Guinness Book. J'ai failli être pompier, c'est pas comme ça hein. On revient pas, je pense en vrai. Je pense qu'on revient pas, les gars. Bah ça, Ben non plus, elle reviendra pas. Ouais, non, je pense que personne ne reviendra. On peut enlever la régie, s'il vous plaît. On a compris. Il est toujours dans le coup. Il est toujours dans le coup, il se met bien, le frérot. Mais là, il est normal, après l'effort, le réconfort. Mais là, il est en apnée encore. Chill. Ouais. Chill. Je pense que ça compte encore, il est encore en apnée. Ça compte, il respire pas. Bah, il est dévoué de fou, Ben. Ah, c'est ça que j'adore, c'est qu'il va au bout des choses. Et c'est ça que j'admire. Là, j'admire. Franchement, c'est fou. Pourquoi mais t'es F, les gars, il va très bien, Ben. F, mais c'est en mode comme tout à l'heure. C'est en mode t'inquiète. Mais F, c'est pas quand un mec est mort aussi. Mais oh là là. Le mec s'appelle F. Le côté. Côté noir des choses. Morbide comme ça. Côté. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu regardes encore YouTube comme au début? Tu vois, genre les nouveaux créateurs, ce qui se fait, etc. Parce qu'avant, tu consommais beaucoup, je pense. Ouais, j'ai consommé. Maintenant aussi, ou. Je reste à la page de ce qui se passe. Mais c'est vrai que. En fait, je crois que j'ai développé un truc un peu malsain. Genre, j'adore regarder ce que j'aime pas maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Genre, une espèce de. Genre, tu regardes un créateur que tu n'aimes pas ce qu'il fait ou t'aimes pas ce qu'il représente. Et tu regardes et je prends un plaisir fou. Mais sinon, en dehors de ça. Du coup, t'as regardé toutes les vidéos de Grim? Grim, je sèche les lives. Grim, je sèche les lives. Ah ouais, tu m'étonnes. Je sèche les lives. Merci, soutien, frère, ça rigole. Soutien de fou. Mais sinon, non, je regarde quand même ce qui se passe, machin et tout, mais beaucoup moins qu'avant. Genre, il y a des fois, on me parle de vidéos, de projets ou de youtubeurs, je suis en mode, ah, je vois pas. Alors qu'avant, je connaissais vraiment tout. J'avais Mais aujourd'hui, on arrive à une période où il y a tellement de créateurs que tu peux tomber sur quelqu'un qui a genre 1 million d'abonnés. Mais la tu l'as jamais vu de ta life. Il y a des mecs, ils ont 1 million et demi, ils font 3 millions par vidéo. C'est fou. J'ai jamais entendu parler de. Mais il y a un duo là que tu disais, j'ai oublié le nom. Tom? Je crois que c'est toi qui. C'est pas moi qui t'en ai parlé il y a pas longtemps? Ou c'est peut-être toi qui m'en as parlé en fait? Adémi Bilal. Oui, ouais. Ça, mais je ne connais pas et ça fait des vues de fou. Et je les ai découverts là, il n'y a pas longtemps. C'est un truc de dingue. Et frère, je vois et je trouve ça fou. J'en avais jamais entendu. Des quoi? Les magiciens? On est dans Harry Potter là, enculé. Les cousins, mais il y a des magiciens en mode tire une carte. Genre Adem il est à Poufsouffle et Bilal il est à Serpentard. Ouais, genre c'est quoi? C'est. Mais non, les magiciens, vas-y, tire une carte. C'est Professeur Rock qui fait des. Tire une carte. Non, t'en as pas. J'ai pas tiré, ça marche pas. C'est vrai. J'étais baisé. Jici, il y a un autre point qu'on a pas abordé avec toi, je suis à ouf. Bah oui, c'est le cinéma. Bah ouais. On va s'entendre là-dessus. On va s'entendre. Pendant longtemps, t'as même hésité à prendre cette voie. Ouais. T'es dit hop, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais être réalisateur? Est-ce que je vais être devant la cam? Est-ce que c'est toujours un objectif pour toi? Genre, si oui, sous quelle forme? Genre devant acteur, derrière. Réalisateur? Ouais. À l'époque, je t'aurais plus dit derrière. Mm-hmm. Mais maintenant, je kiffe être devant. La caméra. La caméra. Oui. Mais en vrai, c'est toujours un objectif, mais moins qu'avant. Avant, j'étais vraiment genre, je voulais absolument ça. Objectif principal. Maintenant, j'adorerais essayer, faire l'expérience.
en tant qu'acteur déjà, tu vois. Genre, si on me propose un truc et que c'est OK, j'aimerais bien essayer. Mais je pense que je serais beaucoup moins déter qu'avant. Parce que j'ai trouvé mon truc sur YouTube et que je suis grave investi là-dedans. Et que même si ça marche jamais, en vrai, bah, j'ai mon YouTube à côté. Et je... Oui, donc ça va. Dans tous les cas, ça me fait. C'est plus devenu un enjeu maintenant. Voilà, c'est plus un objectif et un besoin, quoi. C'est ça, c'est plus un objectif, un truc en mode il faut absolument que j'ai ça. Je suis en mode j'adorais l'avoir. C'est ça, c'est plus un objectif mais un besoin, quoi. Ouais, exactement. Tu vois, c'est ça que je veux dire un peu. Frère, on est trop pareil, toi. Mais oui, ça marche. Même trop. Taille, même abdos, même sexy, tout pareil, frère. Même barbe. Tu fais 1m40, t'es moche, ton nez il est trop long, on dirait il va transpercer l'écran. Ta barbe, c'est des poils de cul. Miroir. Tu t'es tout repris dans la gueule. Bam, bam. Contre Uno, mon gars, tu t'es pris ça dans le cul. Pas de sous. Ok. Je capte un peu. Mais c'est moins devenu un enjeu. Mais voilà, et je pense que si tu parles de derrière la caméra, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pas du tout la foi et tout d'aller vendre mon projet, d'aller défendre mon projet. Oui. Là, je pense que je suis pas. Mais je suis dans ça sur YouTube. Oui, pas maintenant. Mais là, ouais, si on t'appelle demain pour un beau projet, genre en acteur. Voilà, c'est ça. Je suis prêt à prendre. Ton film préféré. T'as dit quoi ? Ton film préféré. Fight Club. Tu juges là, tu vois. Non, moi j'aime bien Fight Club. C'est quoi ton film préféré, toi ? Apocalypse Now. Oui, un film des puristes chiant. Quoi. Non, ça va. Il... J'aurais voulu dire ça, mais il a sorti un film un peu mainstream. Non, ouais, ouais, connu. J'aurais voulu qu'il sorte La Vallée de l'Est, le soleil, et je suis en mode, allez, vas-y. Pardon d'être curieux. Non, très très beau film. Mais faut rentrer dedans, faut kiffer. Ça va. Wow. Ça va. C'est un parcours introspectif au Vietnam à travers la rivière, où tu remontes le Vietnam en même temps, tu remontes les informations sur l'ancien dirigeant qui est devenu un ennemi. C'est super intéressant. Martin Sheen est un excellent acteur et Francis Ford Coppola, il est fort. Allez, je tweet. Oh, frère, j'ai piqué du nez carrément. On va passer au flop cul chaud, les gars. Wouh! Tu te prends encore un tweet là. Voilà, il est passé vite ce live, on dirait c'était Apocalypse Now. Salut Sigil. Salut Grim. Flop cul chaud, tu connais? J'adore, je regarde toutes vos émissions, frère. Hop là. On pose les mêmes questions à tout le monde et tu vas répondre. T'as regardé toutes les émissions? Attends deux secondes, petit test. 5 invités. Billy, Big Flo, Cyprien, Feldup, Inox. Il m'a baisé, même moi en j'aurais pas pu les dire aussi. En plus, il a vraiment dit. J'ai pris des mecs presque dans l'ordre, ouais. Donc c'est fort. Presque, même moi, je j'ai pas pris des gens que les gros noms. Ouais. C'est dit qu'il est dernier, vite, t'as deux secondes. Un, Joyka. Deux, ok, ça va. Ouais, le dernier en date, quoi. Celui d'avant, un, par hasard, Joyka. Deux, trois. Billy Crawford. Il est nul. Un mec qui est jamais venu. C'était Ivic. Et avant, c'était Freddy. Non. Non, je crois pas. Avant Ivic, c'était pas Freddy. Attends, avant Ivic. C'était Seb. C'était et après, avant c'était Freddy. Okay. Et avant c'était. Non, on a plus, on est battu. Non, on est battu. Je sais pas. Non, je pense pas. Ok, Flop Cucho. Flop Cucho, vas-y, je t'écoute. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Top. Top. Top, top. On enchaîne, hein. C'est quoi ton plus gros flop? Mes caméras cachées. Ça a marché pourtant, ça a marché. Ça a marché, mais frère, quand je te jure, regarde-les maintenant. Mais comme tout le monde, ça c'est comme tout. Non, là, il y a des vrais. Oui, je suis con. Il est beau de fou. Vas-y, reprends. Un truc que tu voudrais changer dans ta carrière, genre toutes les vidéos avec Maxime. Wesh, on n'a pas compris un mot sur deux. Mais vas-y. Ouais, j'ai pas compris là. Un truc que tu voudrais changer dans ta carrière. Certaines relations, je pense. Ah, c'est chaud. Force à toi, frère. Est-ce que tu es déjà passé à côté d'un projet que tu regrettes aujourd'hui? Non, je crois pas. Chiant. Chiant. Oui, bah chiant. Non, mais là, l'interview. C'est chiant comme réponse. Enfin, bah, la réponse est non. Non, mais c'est chiant, tu sais, tu t'aurais pas pu dire putain, je joue dans Breaking Bad, je sais pas, fais des trucs. Frérot, j'ai failli. T'as failli jouer dans Breaking Bad ? Frère, j'ai failli avoir. Non. Ah. J'ai failli avoir un truc ciné, c'était une silhouette dans le film Le Grand Bain. Donc c'est pas incroyable. Genre, même ça. Bon film. Oui, bon film, mais ça veut dire que je devais jouer un Turc en maillot à côté qui passe. Donc en vrai, j'ai pas loupé le truc de fou non plus, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? On me dit qu'il faut que tu t'arrêtes de t'amener ton boîtier dans le cul, je crois. Vraiment, c'est les mots de la prod. Donc faut que tu sortes le boîtier de ton cul, c'est littéralement les mots de la prod, frérot. Je suis désolé. Je crois que ton boîtier dans le cul. Ok, bah écoute. Ok, ils avaient pas tort. Et ça va mieux, les gars, le micro ? Je parle. Ça va mieux ? C'est bon ? Essaye de le mettre autre part. Il y a ce live, c'est à la vie de même. Ok, faut pas que tu bouges le connecteur. Il faut pas que tu t'assoies dessus, il faut pas que tu le touches. Ouais, évite de me parler, s'il te plaît. C'est quoi la pyro? Non, mais range ton tel! Non, mais arrête! Sérieux, c'est un truc. Non, mais il a raison, là, le tweet, il est mérité, frère, mais ça non, y est. Mais en quoi? J'ai fait quoi de mal? Vas-y, j'ai rien dit. Vas-y, avec ton image Fortnite, là. C'est quoi la pyro B qu'on t'est proposée? La pyro B qu'on m'est proposée? Je dois dire la marque et tout? Non. T'es pas obligé. Moi, j'ai un truc si tu veux. Mais c'est. Tu dois donner un exemple si tu veux. Vas-y. Il y a un magasin de grande restauration là qui m'a contacté ouais. Et qui m'a dit ouais par rapport au GP tu peux venir avec ta coéquipière
on décore tous les locaux en mode. Tu me l'envoies. Ah oui, tu veux. On décore tous les locaux en mode écurie de move et tout avec Anna. Et en échange, on fait venir un concours de coloriage chez toi qui choisit le gagnant du coloriage. Quoi? Et en échange, et tu t'attends, tu te dis, attends, je suis payé combien? En échange, tu peux venir avec ton équipe pour manger gratuitement. Entre parenthèses, 5-6 personnes max. Et c'était. Dans le fin fond, genre c'était à 4 heures de Paris de train, genre. Attends, mais comment ça? Avec le coloriage, mais t'inquiète, mais. Et c'était toi le juge? Oui, c'était moi le juge du coloriage. Alors, mais en vrai, c'est un classique. Ouais, en vrai, fais-le. Non. En vrai. C'est quoi du coup? Ben moi, je pense. La marque. Moi, j'ai pas aussi flop que ça. Ouais. Parce que ça, c'est chaud. Mais. Je pense que c'est genre. Contrat quasiment annuel, plein de trucs à faire, poste, etc. avec la boutique officielle, genre. Ah ouais, putain. Ah, c'est dur. Ah, c'est chaud. Tu vois. Comme Nino en 2012, là, c'est compliqué. Ouais. Je pense que c'est ça. Ah, t'es fort. Quand est-ce que tu refais une vidéo avec Pinta? Pinta? Pinta mère. Interview, tu rigoles, toi. Les gars, non, je rigole pas, t'es un ouf ou quoi? Okay, j'étais en mode nerveux, j'étais en mode nerveux. Ouais, t'étais nerveux là. Ah, j'étais en mode nerveux, frère. Il dit quoi, lui? Il est fou, quoi. Malade, lui. C'est un baiser. Interview image, les gars, on met les images. Un jingle. On n'a pas de jingle, y a pas de jingle. Si, si, regarde. Ah, il a interview fait. Image. Alors, JC, je t'explique un petit peu, même si tu connais le concept, peut-être dans le chat, il y a des gens qui connaissent pas. Pas. On n'a pas pu tout aborder en détail dans ta vie. Et du coup, on a pris des petits sujets. C'est Jimmy Carrier? Non? C'est Jackass, non? C'est Jackass. Ah, c'est Jackass, ouais. On a mis des petites images. Derrière chaque image, il y a une question. Le point d'interrogation, c'est la question viewer. Tu peux en choisir deux. Le chat peut en choisir deux. Et pim, bam, boum. Ok, alors. On choisit. Qu'est-ce que je vais choisir, là? Bon, GP Explorer, c'est trop récent, donc c'est moins croustillant, je pense. Twitch, Gardien, Jackass. Gardien de bus, Jackass, GC, solo, pour bosser. Question mystère. On va prendre... Vas-y, GC solo pour bosser. Récemment, tu te développes de plus en plus en solo. Ouais. C'est comment de travailler du coup seul? Parce que t'as toujours été un petit peu en groupe et tout. Ouais. Est-ce que t'avais cette crainte-là? Comment ça se passe? Ouais, bien sûr, j'avais cette crainte parce que j'ai toujours connu que ça. Enfin, au début, non, j'ai commencé. En fait, j'ai commencé solo, je me suis mis groupé pendant la plus majeure partie. Puis faites là, le sondage, les gars, quand vous pouvez, pardon. Donc, ouais, bien sûr, j'ai eu ces craintes-là. Et au final, mais je savais que c'était nécessaire et qu'il le fallait, que c'est ce que je voulais aussi, ce dont j'avais besoin. Et au final, c'est génial. Ouais. C'est génial, frère. Il y a une. T'as l'impression qu'il y a un plafond de. En fait, ça, je me rends compte maintenant que je suis en solo. T'as l'impression qu'il y a un plafond à un moment qu'on atteint et que tu te rends pas compte. Et donc, tu restes à ce niveau de plafond, tu stagnes un peu en mode, OK, bah, c'est ça en fait. Et là, tu bouscules tout. Et là, en fait, bah, quand tu changes un peu ces choses-là, le plafond il s'ouvre et il y a encore 1000 possibilités. Il y a plein de trucs et t'es en mode, ah ouais, putain, j'étais pas au max alors qu'on commençait vraiment à stagner quand ça commençait. Ok, à... ouais, je capte. Et du coup, je suis en mode, ça, c'est génial et je suis trop content que ça se passe comme ça et tout. Ça fait plaisir que t'arrives à t'épanouir, surtout sur le dernier tournage, on s'est tellement amusé, donc on sent vraiment que tu kiffes. C'est lequel le dernier? T'es passé? T'étais où? Mais tu sais, on a préparé ta vidéo de samedi là. Je t'avais appelé en FaceTime? Non, non, j'étais là, je suis dans la vidéo. Non? Tu sais, quand on fait. Tu vois pas? T'as fait un autre tournage pour la vidéo de samedi? Un autre truc où j'étais pas là? Non, non, ça c'est un tournage, c'était avec Michou, je crois, on a fait peut-être ça. Avec Michou, peut-être, je sais pas. Non, on a fait ça, peut-être. T'as peut-être une. Bah vas-y, prends un autre truc. Mais ça me fait plaisir ce que tu dis, Grim. Ouais, c'est cool, c'est cool. On tournera ensemble un jour. T'inquiète. Et alors, deuxième question. Je pense que je vais partir sur. GP, Twitch, Gardien. Le chat, ils disent quoi là? Ils aimeraient que je prenne quoi? Le chat, non, ils en ont deux à choisir. Dans tous les cas, ils ont deux. Mais ils ont pris quoi? Comme ça, je prends d'autres. Comme ça, on fait pas les mêmes. Ils ont Viewer et Foot. Viewer et Foot pour l'instant, ouais. Viewer et Foot, bah vas-y, on part sur Jackass. Jackass. Est-ce qu'on te compare souvent à Jackass? Si oui, est-ce que ça te saoule de toujours te réduire un peu au gars qui veut se mettre en danger, machin et tout? Alors, on me compare souvent à Jackass, oui. Est-ce que ça me saoule? Oui, un peu. Parce que, franchement, honnêtement, je suis pas au niveau de Jackass. Et. Je pense que ce qui donne ce côté Jackass, c'est ce côté un peu où j'ai pas peur de faire un truc. Ouais. Mais je me fais rarement mal, genre volontairement, tu vois. Je suis pas en train de montrer ma teub toutes les deux minutes. J'espère bien, frère. Quoi? Tu gatekeep son zob, là? T'inquiète. Moi, je l'ai montré une fois à Jaka, ma teub. Laisse-moi quoi? Quoi? Ça fait quoi, genre? Fais l'émission. Mais non, ça me saoule un peu parce qu'en vrai, il y a bien plus de Jackass que moi sur YouTube. Et oui, en fait, genre, bah, comme on en fait la vanne au début, mais dès que t'arrives quelque part, on est en mode, tu casses pas, tu fais pas.
T'es en mode, les gars, je vais pas casser. Enfin, je, en vrai, on peut parler rigoler aussi. Voilà, on peut parler, discuter, on peut avoir plein de trucs. Et donc, ouais, mais ça va. En vrai, ça va. C'est, j'estime que c'est plus à moi de faire ce taf, de sortir cette image-là, plutôt que les gens de le faire. Quoi. Oui, ok. Ouais, c'est sûr. Ça va. Les gens dans le sondage, du coup, ont choisi foot et viewer. On va commencer par foot. Gardien de but. T'as fait du foot ? Ouais. T'as été gardien. Ouais. Comment ça se fait ? C'est le poste que tu voulais. Pourquoi t'es pas passé pro ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, les crampetés, t'as fait les crampetés ? C'est chiant ça, j'aime pas. Chiant, c'est des ligaments. Ouais. Ouais. C'est des gamants qu'on dit pas crampetés. Ouais. Ligaments crampetés. Voilà. Je suis rentré dedans. Oui. Mais non, j'ai fait du foot. À la base, gardien, c'était pas du tout ce que je voulais. Moi, je voulais être genre attaquant. Je voulais marquer des buts comme tout le monde et tout. Et en fait, un jour, le gardien, il se blesse. Ils disent qui enfin, le plus nul des attaquants, c'est qui ? C'est Sid. Tu veux pas tester au cage ? Vas-y, ok. Et en fait, je fais un match de fou furieux. C'est mon délire. Et donc là, ils sont en attente. Donc en fait, petite clim, parce qu'ils virent le gardien de base, ils me mettent moi. Ah oui, alors que t'avais jamais. Alors que j'avais jamais joué. Et lui, ça faisait genre 4 ans qu'il était dans le club. Oh là, je suis en mode merde. Et mais je kiffe. Et du coup, après, je commence à m'entraîner de ouf et tout. Et je commence à grave kiffer. C'était genre mon poste. Et du coup, bah, t'avais à l'époque le club de Dijon qui voulait me. À l'époque, c'était stylé de fou, frère. T'es à Dijon ? J'étais pas à Dijon, j'ai failli rentrer justement. Ah. J'ai failli rentrer et ils voulaient que je rentre à Dijon pour les sélections, etc. Pour après être chez les jeunes. T'étais quand même pas mal. Et au final, après, mes parents, ils ont déménagé. Ils ont dit, bah, c'est bon, t'arrêtes le foot. Moi, je suis en quoi. Voilà, c'est bon. Tu t'arrêter. Ton caprice, ça nous emmerde. On va pas rester à Dijon parce que tu es juste pour ton foot à la con, là, c'est bon. Je foot. Donc après, j'ai arrêté. Je suis parti après sur l'acrobatie. Ok. Et tout. Dernière question, du coup. Ce sera la question d'un viewer. On peut se la mettre. Ah, s'il vous plaît. Tiens, je la voulais pas, elle. Ouais, moi aussi. Mmh. Chiantos, celle-là. Qu'est-ce qu'il a dit à le viewer ? Toujours Chiantos. Il peut y avoir qu'un seul shérif dans cette ville, mec. Salut Gilsy, ça va ? Je suis un grand fan. J'ai vu récemment, tu faisais plein de vidéos et tout, et surtout plein avec Maxime. Ben moi j'ai une idée pour toi. Viens, tu fais un on va où ? Tu vas dans le Sahara et tu laisses Maxime tout seul bien au fond du désert et il revient plus. Voilà, c'était une petite propale. Va un peu te faire foutre aussi en vrai. Voilà, force à toi, boys. En fait, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que de moins en moins, tu te caches. Mais c'est exactement si on regarde les premières émissions. Mais exactement, j'allais dire, vous prenez même plus la peine de mettre des lunettes. Il y a rien. Mais les gars, le viewer, il est pris en otage ou quoi pour lui ? Non, mais surtout que le viewer, il a tourné dans la voiture dans le parking à côté il y a 10 minutes, là, juste avant l'émission. C'est ça qui s'est passé. Non, je vais clairement pris en otage. Mais il n'y avait même plus. La pote, elle n'a même pas pris un petit accessoire. Frère, on n'a plus rien. Frérot, il y a. Ah non, on se prend un tweet. Non, mais non. Frère, on n'a plus rien. Frérot, il y a 17 émissions, il y a 17 accessoires. Tu crois le viewer à chaque fois ? Enfin, les viewers, tu crois, ils peuvent changer tous les jours de vêtements, ils peuvent pas. C'est pas des vrais viewers. Si, c'est des vrais viewers, mais tu sais, ils ont un petit chapeau, ils ont un petit truc. Avant, il n'y a pas 54 accessoires dans le monde pour un viewer, tu vois. Ah, je pense dans le monde, non, mais dans les locaux, peut-être. Moi, ouais, je pense quand même. Les amis, on va passer à un petit jeu qui va nous permettre de préparer la deuxième partie d'émission. C'est obligé ou pas ? Ouais, c'est obligé, ouais. Non, mais c'est... viens, je t'en supplie, laisse-moi au moins ça, quoi. Ouais, laisse-moi au moins les petits jeux. Ça m'abuser, s'il te plaît. Je t'en supplie. Les amis, derrière ces cartes, j'ai des petites situations. Je vais vous expliquer un petit peu le jeu Koulos. Et pas Léna. Ah, merde, hein, putain. Tiens, le jeu Koulos. Jingle. On va le jeu Koulos. Et pas Léna. Situation. Les amis, le jeu s'intitule Starter Pack. Je vous explique. Okay. Derrière chacune de ces cartes, il y a une mise en situation. Je les connais pas, je peux en dire une au hasard, genre, je sais pas. Baiser la sœur de Grimm, genre. Voilà, par exemple. Par exemple. Yeah, donc là, regarde, dis pardon, elle regarde le live. Donc là, par exemple, c'est costard, cravate, tu connais. Pardon, Grimm. Costume 3 pièces. Pardon, Grimm. Toute ma famille a la même place que moi. Pardon, Grimm fille. Grimm sœur. En gros, c'est ça le but du jeu. C'est que là, vous allez chacun tirer une situation. On va faire un par un, tu vois. Et derrière le rideau, il y a des caisses avec des habits, des accessoires. Ok ? Vous devez vous accessoiriser. En vous avez plus rien ? Frère, j'ai connu des jeux Koulos avec des guesses, des trucs, des installs de fou. Là, il faut mettre deux chapeaux et dire. Il faut mon qu'on ami devine. A un enterrement. Non, il faut qu'on devine la situation. Frère, t'as dit quoi ? Comme exemple ? Mon ami a un enterrement. Bah tu vois, c'est prévisible. C'est vos trucs, ils sont prévisibles. Bon, ça, on l'enlève, les gars. Vas-y. Heureusement, il en reste 9. On est foutu. On est foutu. Frérot, c'est fou. Cache. On commence, c'est parti. Allez, je voulais que j'y aille pour vous donner le. Ouais, vas-y. Attends. Grimm, rigole, j'ai de fou. Parce qu'il y croit pas. Il y croit pas une seconde. Ok, allez, Maxime, tire une carte. T'as quoi comme situation ? Je suis une galère, frère. Let's go. Ça va être dingue. Le rire de fou qui arrive, c'est dingue. Ça va être dingue. Comment je triche pas ? J'enlève l'eau, cousin. L'eau que t'as acheté au début. Les gars, j'ai pas précisé. On a 30 secondes. Ok, au bout de 30 secondes, c'est fini. Faut. C'est quoi ce faut arriver quoi ? Ouais, fais ça. Ok, vas-y. Oh, il y a la clim ici. Oh bâtard, il a la clim là-bas. La clim, laisse-moi, viens, on change. C'est à moi d'essayer.
Hop. Ça va, merde, attends, c'est chaud de fou en fait. Tranquille, là, moi il est chiant là. Les gars, je viens de capter le jeu. Je viens de capter le jeu, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Moi je stresse pas, mais parce que moi je suis con. Là, tu stresses jamais toi. Mais oui, c'est ça le problème. Mais en vrai, c'est un bon truc. Toi, tu stresses toi? Genre, bah je pense qu'un zine, ouais, je stresserais, ouais. Mais moi je pense que j'ai stressé, mais genre 10 minutes avant. Du coup, c'est trop tard, genre. C'est trop tard, frère, faut stresser. 10 minutes avant, justement, 10 minutes avant, c'est les 10 minutes où t'es. Oui, c'est le pire truc. Parce que là, tu vois, genre Maxime, il dort mal et tout. Ok, c'est bon, je suis prêt. Je tape des nuits de ouf, vas-y. Attendez. Ok, c'est bon, je suis prêt. Quoi? Du coup, Zénith. Ouais, c'est ok. Oh là. Alors, quelle est la situation du jeu Koulos? Attends, c'est quoi? Mais là, tu peux pas mimer un truc pour qu'on pose des questions là? Posez des petites questions, je peux vous répondre. Est-ce que t'es un kiffeur? Ouais. Ok. Est-ce que t'es dans le monde de la nuit, genre? Ouais, ouais, je kiffe. Okay. T'es dans l'électro et tout, toi? Ouais. Ok. J'ai bien fait mon outfit, si vous posez ces questions. Attends, est-ce que t'es en mode... tu fais des remixes en mode... Moi, je fais pas de remix. Moi, je fais pas de remix. Juste, je kiffe. Est-ce que tu fais des manifs? Non. Ok. Okay. Non, je kiffe. Tu taffes au chantier? Non. Oh, est-ce que t'es en détente? Non, c'est pas un casse de chantier. Est-ce que t'es en détente? Je suis en détente. On parle pas du casque, on parle du jeu. Est-ce que tu vis ta best life? Je suis pas Naps. Ah putain, j'avoue, bien vu. Non, je suis pas Naps. Est-ce que t'es DJ Benz? Non, là je suis sapé pour un truc en particulier. Qu'est-ce que ça peut être comme situation où je suis sapé comme ça? Tu vas en réçois? Je vais en réçois. Enterrement de vie de garçon. Je vais en soirée, mais pas n'importe quelle soirée. Pas n'importe quelle soirée. Tu vas dans une funérailles. Soirée de kiffeur. Ah, tu vas les soirées. Oui. Une rave party. Vous avez trouvé avec Zach Nani. Franchement, le jeu il est trop bien. Avec les gars. Zach Nani. Les gars, je crois que le jeu il est vraiment trop bien. Le jeu a vraiment un truc en fait. Le jeu a vraiment un truc, je pense. Moi j'ai kiffé. Franchement, t'as été fort là. Non, j'ai été fort par contre en vrai. Je trouve. En vrai, frérot, non, en vrai, viens. Là, t'as kiffé, genre là, t'as kiffé la game là. On parle de ce qu'on. En vrai, le jeu il est bien, non? En vrai, genre. En vrai, moi j'ai kiffé de fou. En vrai, c'est léger. C'est léger. Non, en vrai, c'est pas mal. Non, en vrai, c'est pas mal. Ça fait dans le chat, ça a dû faire 2-3 rires et tout, tu vois. Attends, frère, c'est léger. Frère, j'ai kiffé. Faisiez des jeux où il y a en une seconde, il y a tout un décor qui se passe. Attends, la suite, frère. Hé, là, c'est une transi. La suite, c'est une dinguerie, frère. Ok. Dinguerie. Tu fais le jeu, les gars. Dans le chat, ils disent tous que c'est le meilleur jeu. Ma boy, à toi, mon gars. Sélectionne un petit truc et fais-nous kiffer. Ouais. Allez, Grimou. C'est une dinguerie. Oh ouais, ça c'est du lourd ça. C'était bien réparé. Ça c'est du lourd ça. Fais gaffe de pas rentrer dans le surjeu. Quoi? Bascule pas dans le surjeu non plus. Ouais, c'est vrai, pardon. Les gens ils sont en mode guess. Et guess c'est. Je peux voir le chat vite fait? Ouais, non, t'inquiète. Ah non, il kiffe hein. Il kiffe. Bah non, nul éclaté, schlag, nul guess. Mais frère, mais les gens sont pas dupes. Si, kiffe de fou. Tu comprends pas, les gens sont pas dupes. Ça va Grim, tu kiffes? Nous en tout cas on kiffe, le chat est en folie sur celle-là. Ouais, on se régale là. T'as trouvé ton outfit? Je suis en train là. Allez Grim. Frère, je t'ai dit, on faisait une émission. C'est l'émission la moins préparée de la saison. La moins préparée, mais t'es un fou de dire ça. T'es fou frère, c'est un fou. T'es un fou de dire ça. Ok, allez, c'est parti. T'es dans la même soirée qu'avant, que t'es là, ouais, t'es... T'es dans la rive de Max? Non, parlez pas là, je suis en... T'es un truc sérieux? T'es un businessman? Ok, t'es en études de com? Non. T'es en business? T'es un truc de business? Tu rentres en business class? T'es une star? Non. T'es une star? T'es paparadier? Tu fais des photos? Ouais, des festivals de Cannes, t'es sur tapis rouge? Tapis rouge, non, c'est tout com. T'es un chanteur? Non. Attends, t'es un personnage ou une situation là, je comprends pas? Ouais. Un lieu. T'es un lieu là? T'es genre un festival de Cannes genre. T'es Stalingrad? T'es Porte de la Chapelle? Non. T'es... Château d'eau? Non. Pourquoi? Attends, t'es un lieu, ça veut dire faut trouver un pourquoi lieu. Château d'eau? Mais je dis des lieux. Mais frère, on demande... T'es Porte de la Chapelle? Non, mais tu sais, quand t'as dit Cannes, c'était pas loin genre. Cannes? T'es Fréjus? Les Césars, les Oscars? Non. Salut Lina Situation. T'es la Fashion Week! T'es à la Fashion Week! Mais comment tu voulais qu'on devine? Mais. Ben oui! Mais comment tu veux qu'on devine? Oh, c'est de la marque ça, mon gars. Enfin, en fait, le jeu il était bien, mais que quand. Pas quand c'est toi! C'est peut-être les participants le problème. Ok, je crois qu'on commence à mettre le doigt sur un truc. On va le refaire une dernière fois du coup avec toi, on va voir si ma théorie est bonne. Hop, vas-y mon gars. Et merci. Si c'est chiant, tu peux en prendre un autre. Il est top. Ok, il est top. Ok, il a kiffé, les gars, il a kiffé. Il est top. T'es avec moi, j'avais un entretien. En vrai. Non, il faut lui faire croire que c'est une émission de fou, tu vois. Bah ouais.
Parce que là, il reste un passage. Après, on remet les potards, tu vois. Les gars, dans... Ils ont kiffé dans le chat. Ils ont kiffé de fou. Ils ont kiffé de fou. Ils ont kiffé de fou. Dinguerie, masterclass. Ok, je suis prêt. Donc, bien vu, les gars, ça régale. Là, les gars, dans le prochain... écoutez-moi bien. Le prochain truc là qui va se passer après ce jeu, c'est une folie furieuse. Vous n'êtes pas prêts, en fait. C'est un truc de fou. Il faut qu'il y croit aussi. Il faut que lui y croit. Là, on est battu, frère. On est battu, on a rien. T'es prêt ? Je suis prêt. Ah, go, vas-y, go. Vas-y, montre alors. Eh, les gars. On se fait un petit holi ou quoi ? Big Flo, t'es Big Flo ? Mec ! Arthur, arrête de montrer ton cul, sérieux quoi. Je sais pas qui c'est mais le personnage là, c'est pas un perso. Attends, frère, c'est une activité. T'es Maxime ? Gars ! Attends, file-moi un 10, roule-moi un petit. Frère, t'es un skater de répu. Oui. Faire du skate à République. La vie de ma mère. Attends, c'est ça, là, les lunettes. Mais c'est pas toi ! Là, les lunettes, les casquettes, ça te change de fou. Une autre personne, c'est un truc de ouf. C'est incroyable. Attends, je kiffe le jeu. Ah, le jeu est trop bien. Je kiffe le jeu. Faire du skate à République. Allez faire du skate à République, c'est ça. Incroyable. Frère, le jeu, il est trop bien, je vous jure. Vous faites les écrits dans le chat, le jeu, il est trop bien. Bon, le jeu, il est incroyable. Putain. En fait, c'est les participants le problème. Il y a un participant qui bloque, ça nique tout le jeu. C'est ça, frère. Je t'avais dit ou pas ? Mais oui, c'est non, que ça. Oui. C'est que ça. Vous avez fait quoi là ? OK les gars, on va fait un débrief. On m'a dit quoi dans le chat ? Ah oui, les amis! C'est le chat! Le chat, tu dois avoir un bordel! Le chat, c'est l'annexe audio, c'est bon! Ok, les amis, on va se lancer une petite page de pub, un petit magnéto, et on est de retour ici pour notre deuxième partie. Et on a tout donné, et je suis très sérieux, les gars! On a ce qu'il faut, je peux pas vous en dire plus. On revient tout de suite, petit magnéto, et on est de retour. J'ai hâte de voir. Salut à tous, c'est Hugo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Maxime Biaggi, candidat à l'élection présidentielle. Merci de me recevoir, monsieur Décortique, et puis voilà, ravi d'être là. J'ai préparé un petit jeu pour vous, et ça se passe sur le tableau juste derrière moi. Je vais vous montrer des biens ou des services consommés de tous les Français, et vous devrez me dire le coût de ces derniers. Pas de problème, allons-y. Eh bien, c'est parti. On va commencer par le premier bien, un croissant. 20 centimes ? On n'est pas trop sur du 20 centimes, on est plus sur du 1,20€ pour le coup. Voilà, ok, mais en fait c'est parce que je suis allergique au gluten, donc moi je ne peux pas du tout consommer ce genre de produit. Ça me fout l'estomac en vrac, en fait, je peux même pas... Une autre chose très importante, et c'est le plein d'essence. Le plein d'essence, bon, ça dépend beaucoup du véhicule. Par exemple, si vous avez un XADV, un RSQ8, 7€. Il faut que je vous l'avoue, en fait, en moyenne, on est plus vers les 70-80€. En voilà un qui n'a jamais augmenté. Un forfait mobile, avec 5G et plus de 200 gigas d'internet pour regarder plein de vidéos. Combien c'est ? 40€. Alors peut-être chez certains opérateurs. En revanche, chez Free, 19,99€. Ah, alors là ça, pour le coup, je connais. Ok. Sac Chiquito, Jacquemus, 670€. Zin. Aujourd'hui, je suis avec mes trois aventuriers, mes trois super-héros du quotidien qui sont aujourd'hui là pour défier le grand Zen Boyard. Désolé, je crie un peu. Let's go ! Je crie un peu, mais c'est normal, c'est parce que je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui. Nous aussi, on est heureux, Olivier. Maxime, JC, quel plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Comment vous vous sentez
avant de rentrer dans ce Zen Boyard et de commencer les épreuves. Eh bien écoute, serein Denis Brognard, hein, on se fait c'est très plaisir. C'est un autre gars. Il parle comme lui. Écoute Nikos, on est vraiment bien, il n'y a pas de souci, on est vraiment fiers d'être là. Et donc, c'est Olivier. Ok, super. Olivier de Carglass. C'est Olivier de Carglass. C'est Olivier Minable. Olivier Minable. Je vous sens bien aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, ça va être assez compliqué, mais surtout, vous jouez pour quelque chose. Vous jouez pour une association. Oui. Une association très importante. Et oui, je voulais qui nous tient à cœur. Ouais. C'est une merveilleuse association. S'il y avait une compétition des associations, ce serait la première, parce que c'est la meilleure des associations. Ça me tient à cœur. Je peux mettre un but direct dans l'assaut, là. C'est vrai? Ouais. Oh, mais non. Bien. Bah ouais. Ah, si bah oui, veux, je suis sûr. Tu mets combien, Jean? Je mets 5000. Oh frère, ça c'est un vrai bravo. C'est quoi, ça, bravo. C'est un vrai pote. En vrai, je donne ça aussi, moi. C'est vrai? Bah, en ça, c'est les frères, merci. Ça c'est magnifique. Hein. C'est qui l'assaut? Merci, merci. C'est quoi l'assaut? Les gars, c'est une assaut de fou pour allez, donner, on va passer pour à autre chose. Sourire, on va passer à autre chose, pas de soucis. Hein. Ok. Cette association, c'est pour un sourire, c'est pour la vie. Vous promettez? Vous promettez? Vous avez promis, Jean? Bah ouais, mec, c'est pour la bonne cause, frère. Je fais le virement devant toi. Let's go. C'est génial. Envoie la preuve directe. Envoie la preuve directe. Écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Oui. Ces épreuves, elles vont comporter des. J'aimerais la prod. Elles vont devoir vous forcer à être agile, à jouer sur l'équilibre, à être courageux, bien sûr. À avoir ce courage entre vos mains okay. pour faire face à ces épreuves. Maintenant, forcément, pour ces épreuves, déjà je la première. Déjà, moi aussi, je stresse de con. Forcément, c'est stressant, je sais. La première épreuve, c'est une épreuve qui demande de l'équilibre, de l'agilité. Être habile sur ses pattes. C'est moi, wesh. On est trop grand pour ça, nous. C'est moi, wesh. On est trop grand pour ça, frère. Maxime ? C'est moi. Tu sens chaud ? Tu veux voir notre petit... On a un petit cri. On a un cri de guerre. Ah, si vous avez un cri de guerre, je suis tout oui. Ok. 3, 2, 1. En route ! Quoi ? Tu veux dire quoi ? Toi, t'es en route ? En route ! T'es en route ou quoi ? En route ! T'es pas en route en plus, toi ? Non, t'es pas en route, toi. C'est pas un cri pendant la guerre, c'est un cri de. En route ! C'est mieux, c'est déjà mieux. Super. Bon, on va pouvoir commencer. Mais avant de t'emmener à cette épreuve, Maxime, il nous faut quelqu'un. Quelqu'un qui connaisse le moindre recoin de ce Zen Boyard. La prod, donc, tu veux que je demande à la prod? Non. On a quelqu'un d'encore plus important qui connaît le moindre recoin de ce Zen Boyard. Non, fais-le. Et il va entrer ici maintenant. Tu peux rentrer. Passe-partout. Mais non. Passe-partout, incroyable. Mais non. Ouais. Alors là. 3. Let's go. 3. Ouais. C'est merveilleux. Incroyable. C'est merveilleux. Il est ici avec nous. Oh, le tour de il nous fait le plaisir oh, c'est ici ouf. D'être ici. Et de vous accompagner. Et Maxime, justement, il va t'accompagner tout de suite à la première épreuve. C'est parti. Attends, c'est pas possible, Maxime, t'es pas candidat quand même. Bah si, je me dis, je suis candidat. Bah, comment que ça se fait que t'es candidat? D'habitude, t'es avec moi. Non, mais je suis candidat. Mais non, mais attends, Je suis pas candidat. Mais n'importe quoi, je suis candidat. Ah, y a un qui Maxime, voilà. C'est pas possible. Mais je suis candidat, t'es pas candidat. Je suis candidat. Ah, mais non, t'es quoi, passement de jambes? Mais non, je suis candidat. Mais non, il y a un quiproquo, mais. Dis-lui, je suis candidat. Je commence à avoir des doutes. Olivier, mais... je suis candidat. C'est pas possible. C'est bizarre. C'est bizarre. Il est avec quoi, il ramasse les clés. Ah ouais, mais c'est pour ça. Maxime, fais un geste au hasard là. Tu vas me le dire. Ouais. Non, mais c'est mon collègue. Amenez-moi l'épreuve. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Tu peux l'accompagner. Allez, go. Allez, pour l'assaut. Allez. Il a pas dit l'assaut par contre. C'est qui l'assaut, Olivier, pour l'instant? Et là, on est ici devant la première épreuve. Cette épreuve, elle est très simple. Elle va consister à garder ton équilibre, être agile, parce que tu seras sur un tapis roulant. Quelque chose qui va te faire avancer. Ok. Et pendant ce temps-là, il y aura quelques obstacles. Je te laisse voir. Une fois que tu rentreras, Passe-partout, tu peux l'accompagner. On y va. Merci Olivier. Et c'est parti. Olivier, c'est grave un bon. Oh, attends, mais il augmente là. Mais il augmente le truc. Putain, je dois mettre des paniers. Mais il augmente. Mais arrêtez d'augmenter, les gars. Faut que je mette combien de paniers, Olivier? Aïe. Mais passe-partout. Mais pas des pénalties. Passe-partout, mais pas des pénalties comme ça. Aïe. Mais ils rebondissent. Ils rebondissent, les trucs. Moi, ils donnaient des ballons truqués, frère. Oh, j'ai mis 3. J'ai mis 3, passe-partout, c'est bon. Merci. Ah, je suis crevé. J'ai la 10. Tu l'as eu. Passe-partout, tu m'as mis des pénalties. C'est parti, le premier indice. C'est génial. Je l'ai. Bravo à toi de l'avoir trouvé. Merci. Et maintenant, on va pouvoir retrouver les autres.
Allez, c'est parti. On y retourne. Putain, c'est ce truc de pénalty, là, Olivier. Tu joues à quoi? À droite. Incroyable. Bravo, bravo, bravo. Je me suis pris des pénalties dans la tête. Tu t'es pris des vrais balles. Bravo, tu voyais là-dedans ou pas? Incroyable. Je voyais pas grand-chose. Ah ouais, merde. Et en fait, les ballons, ils rebondissaient. Donc oui, c'est mal, ils apparaissaient, je sais pas. Mais bien c'était ouais, compliqué, hein. Ça avait l'air compliqué. Oh, mais en tout cas, facile. T'as réussi à avoir cet indice. Et bravo à toi, on peut le féliciter. Bravo, Max. Bravo encore une fois, Maxime. Bravo, Passepartout. Merci, Passepartout. J'ai très, très belles enroulées. Merci. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Okay. On va passer à la deuxième épreuve. À la suite de l'émission. Pour la deuxième épreuve, il me faut quelqu'un de très très courageux. Je préfère le dire, bah, cette épreuve ne comporte pas d'eau. D'accord ? Ah bah moi du coup. Il n'y a pas d'eau ou il y a de l'eau ? Pourquoi ? Y a de... Ah, il y a de l'eau. Non, je le dis ça comme ça. Ah, il n'y a pas d'eau ? Oui, il n'y a pas d'eau. Vas-y, vas-y. C'est Grim. Vas-y, vas-y. C'est quoi ce cliché là ? N'importe quoi, mais c'est quel rien à voir, c'est juste mais qu'il y a pas grave bien, vous êtes des ouf ou quoi? Mais on a jamais dit, mais non, mais t'as, contraire. C'est en mode, t'as vu déjà Ben ce qui lui est arrivé. Mais oui, et puis t'as bu trop d'eau et. T'as bu de l'eau, c'est tout. Non, mais ça, rien à voir. C'est pour toi là. Allez, okay. Allez, Grim, on va passer à la deuxième épreuve qui demande du courage et c'est parti. Allez, let's go, Grim. L'assaut, tu m'as pas dit l'assaut. L'assaut, je te dis après. Je te dis après l'assaut, parce que j'ai déjà fait le genre. C'est juste ici, c'est juste ici. Ok. C'est quoi l'épreuve là, chef? Pour la deuxième épreuve, il va s'agir de quelque chose d'assez important parce qu'il faut avoir du courage pour mettre ses mains dans les jarres. Oh non. Et dans ces jarres, il y a des choses un peu bizarres, un peu farfelues. Et il va falloir mettre ses mains sans avoir peur pour découvrir et trouver l'indice. C'est parti, Grim, tu peux commencer. Non mais sérieux, attends, il y a un ordre? Nous, on va passer par là, Passepartout. Il a la merde. Ah, ah, c'est chill. Ah mais c'est la merde ou quoi là? Et là, on va avancer par là. Je te laisse me suivre. Ah, mais c'est de la boue. Mais c'est de la boue. Mais c'est. Mais vous êtes sérieux? Mais c'était malade ou quoi? Mais c'était malade ou quoi? L'épreuve, t'es pas chaleureux. Mais l'épreuve, mais y a de la boue, frère. C'est un boyard là. Je crois on était à la piscine. Il vient d'envoyer ça, mon frère. Mais t'as mis de la merde dans tous les pots. Vous foutez de ma. Oh mais vous croyez drôle? Ah mais c'est du papier bulle. Ouais bah ça va, t'as ouais, voilà, ouais, t'as abusé un peu là. Mais j'ai cru que c'était un monstre. Faut trouver le slip mon Grim, y a un indice sur le slip, oublie pas. On a qu'un indice pour l'instant, à la fin faut trouver le mot sinon y'a l'assaut, elle a 0€. Allez mon Grim. Allez, fermez vos gueules. Ah. Oula, ah oui. Okay. Bon, bah. Ah y'a des... C'est des faux, putain, mais vous croyez drôle? Vous croyez drôle à mettre ça hein? Salut les frères, vous avez vu j'ai gagné l'épreuve, putain. J'ai gagné le slip. Putain frère t'es chaud. Et je vais devoir tous les faire là. Ah, c'est plaisant. C'est des billes. Ah mais y'a de l'herbe. Il est raté. Il a peut-être raté. Mais il a mis la main partout. Ah ouais, mais autant il a mal cherché. Tu connais la bête. Oui, hein. De toute façon. Ouais. Faut pas trop lui en demander. Ah, ça me dégoûte. Allez, frère, c'est bon, c'est pour l'association. Ouais, j'ai du popcorn. Ça marche pas. Eh, regardez, l'émission popcorn, on la graille. Y a pas d'indice sur les. Oh, on rigole. Là, tu vois, y a un vrai indice. Non, mais dis pas le slip, il est là. Y a vraiment un indice dans le slip. Y a un indice dans le slip, et c'est à la fin qu'on va pouvoir, en fonction des indices, trouver un. D'accord. Oh oh. Wow, la prod. Ah ouais, non, mais là, ils vont être vénères de fou. Oh la prod. Ah, budget prod. Y'a une tête humaine. Non mais j'ai fait tout dans le mauvais sens. Allez, bravo. Oui. Bravo, il a trouvé ce slip. Sors. Ouais. Bande de fils de pute. Ah oui, non merde. Oh waouh. Top est là. C'est bien Grim. C'est bon mec. On peut pas, y'a le Covid. Avec le Covid on peut pas. Bravo frérot. Ah oui, chiant toi hein. Ah oui, chiant toi. Ah oui, chiant. Mais c'est bon, on a eu deux indices. On peut lire l'indice ou pas? Non, c'est à la fin, à la toute fin. Eh Olivier, il a été chaud hein. Passe par dessus. Bravo. Non, il a été chaud. Là, ce deuxième indice, vous êtes allé chercher loin. Ça on peut le dire. Bravo à vous. Et... Je fouille dans la merde, Olivier. On a vu. Ah, oui, je sais, mais parfois il faut prendre son courage à deux mains. Et là, vous l'avez fait aujourd'hui. Il faut porter. C'est bon, c'est bien. Présentateur en roue libre. Aujourd'hui, on en a pas fini. Oh que non. Oh non non non. Non. J'espère pas qu'on fait les épreuves. Il reste une troisième épreuve. Non. Impossible. L'inverse. Exactement l'inverse. Il reste une troisième épreuve. Ah ouais. Elle est pour moi. Elle est pour toi. Gilles. Ouais. Pour qui elle pourrait être? Gilles. Moi. Pour toi, je pense. Pour moi. Allez, j'ai pas pour toi. Derrière, y'a personne, y'a que moi. Y'a personne, y'a que toi. Donc c'est donc pour pas moi. Pouvoir lancer. C'est pour vous. La troisième épreuve. C'est parti, Passepartout. C'est parti, tu on peux l'accompagner. Allez, go. Et Grim, toi, je vais t'emmener. Tu vas pouvoir y aller, tout seul, pardon. Tu vas pouvoir aller au Père Fouras. Alors, oh, la chance. Peut-être pas oh, toi, ouais finalement. Peut-être toi. C'est vous qui décidez. Qui veut aller voir le Père Fouras? Bah, le plus intelligent des deux, je pense, c'est Grim de loin. Bah ouais, okay. Bah j'y vais. Maxime, tu es sûr que tu vas pas y aller?
Bah, je pense Grim, il a tout ce qu'il faut pour. Je veux y aller, je veux y aller. Maxime, tu vas au Perforas, c'est ça? J'y vais, non, j'y vais. Grim va y aller, je pense. Olivier, ok, allez, personne veut y aller. Olivier, tu veux y aller? Grim, je veux y aller, Olivier. Regarde, Grim, il veut y aller. Je veux y aller. Eh ben, allez, Grim, c'est parti, tu peux aller voir le Perforas. T'as trop de chance, t'as trop de chance, j'aurais trop kiffé. C'est parti. Ah, mais son slibard, il est dégueulasse. C'est bon, on est devant la dernière épreuve. Et elle est pour toi, elle est pour moi. Est-ce que tu te sens d'aller récupérer du sable, le mettre dans un vase, le tout en courant, pour récupérer le dernier indice, un indice dont on a besoin pendant que Grim est en train de parler au père Fouras. Est-ce que tu te sens de faire ça? Faut que je prenne du sable, que je cours et que je le mette dans un vase. Exactement. Oui, oui, je me sens capable. Eh bien écoute, tu peux aller à la troisième épreuve. C'est parti. Masha Allah. Hop là, let's go. Restez avec moi, passe partout. Ah, faut que je cours sur le tapis. Troisième épreuve, c'est parti. Je commence là? Ouais, c'est bon. Attends, il est où le sable? Ok. Olivier, en fait, je me sens pas. Bateau après. Olivier, je me sens pas. Oh, c'est chiant. Oh, c'est chiant. Olivier, je dis, en fait, je peux pas. Olivier, je me sens pas en fait. Allez mon grand, t'y es presque, rempli. Putain, qu'est-ce qu'il est fort. Il est super sexy. Mais c'est une galère de fou. Faudrait qu'il tombe en vrai pour les clés, faudrait qu'il tombe un peu. Faudrait quelqu'un qui peut lui mettre un tag glissé, les gars. Allez, Jesse. Ouais. Let's go, sort. Casse-toi. Bravo. Ouais, je... Il est fort, bravo, il est fort. Bravo, bravo, et en plus, le temps n'est pas écoulé. Qu'est-ce qui se passe? Bravo, Jesse. Ah ouais. Passe partout. L'indice a été trouvé. C'est le combien de c'est le troisième. Yes. Bravo Gilsy. Merci Olivier. Pouvoir. Maintenant, allez rejoindre Maxime pour aller voir Grim qui répond à la question du Perforas. Et c'est parti les amis. Let's go. À droite. À droite. Ah, ça me casse les... Allez, plus vite, vite. Bonjour, plus vite. Père Fouras. Oh, c'est un honneur ça de vous rencontrer. Ça va, l'aventurier? Vas-y, pas comme ça. Oh, tu veux que je t'enclenche ou quoi? Ouais, je pars. On va aller là-bas en scred. Je te mets un coup de coude, ok? Un coup de coude, mes amis. Oh, tu veux ton énigme ou pas? Tu veux l'énigme? Bon, envoyez l'énigme, monsieur. Aventurier, l'énigme est la suivante. Je suis souvent assimilé au vent du matin. Non mais Père Fouras, vous êtes sérieux? Vous êtes le vrai Père Fouras? Oui, je suis le vrai, oh! Ah, mais c'est une chasse? C'est pas la chasse, mais tu te rapproches, gamin! C'est un gros prout qui pue. C'est un gros prout qui pue, c'est bien, gamin! Bien joué! Et exactement, car le vent du matin, on est souvent sujet à des flatulences. Attention, je peux également être dangereux après avoir mangé mexicain, car je peux tâcher un slip ou trouer un cul. C'est compris, petit con? T'as mis ton temps, t'as pas trouvé. Non, Père Fouras, avec tout le reste. C'est bon, c'est bon. Va voir Tom un peu. C'est qui Tom? Ton père, allez, dégage, bâtard. Dégage, je suis l'énigme. Est-ce que j'ai des potes, un petit connard ça? Allez, dégage. Allez, redescends, gros. Putain, c'est tout, c'est pas d'indice. Dégage. Allez vous faire voir, monsieur. M'a cassé les couilles, celui-là, putain. Il est où mon flash? Ça me casse les couilles, putain. Fais chier. Eh bah écoutez, il a réussi l'énigme apparemment. T'as réussi ça?
Il a trouvé. Ouais, ils sont un peu frités par contre à la fin. Non, ouais, mais c'était le jeu. C'était après, c'est Foura, il commence à être un peu. Il commence à être un peu vénère. Un peu chiant, là, ouais. Non, mais c'est rien. C'est chaud fourré, mais bon, c'est rien du tout. Chaud Foura, ça. Allez, bonne test. Allez, viens, allez, viens. Je vais me serrer la main. Je vais me serrer la main. Aïe! Waouh! Il est costaud de fou. Bah ouais, c'est normal. Hop là, hop là. Oh, c'est stylé. Super. Bon. Olivier, j'ai bien peur qu'on ait réussi à avoir 3 slips. Oui, mais c'est pas fini. C'est pas fini? C'est pas fini. C'est pas fini. Donne l'argent, quoi. Ah bah non. Avant l'argent, il faut faire les maîtres des clés. Ah merde. Eh bah oui, les maîtres des clés. Ouais. Est-ce qu'on oublie ça? C'est plus Zen Boyard. Et donc là, on peut laisser les slips ici en attendant? Vous pouvez laisser les slips ici si vous voulez. Ok. Et là, on va aller rejoindre les maîtres des clés qui vont vous permettre, d'avoir les clés. Il sait pas. Il sait pas. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas ce qui se passe. Il sait pas du tout. On va le dire. J'explique le jeu. Hein? Ouais. Je peux te donner un truc, comme ça, t'inquiète pour rigoler. À ton avis, ça te fait penser à quel mot aujourd'hui on peut me trouver dans toutes les maisons? Ça te fait penser à un mot en particulier ou pas? Genre chaise, télé. Une table. Ok. Aujourd'hui, on peut trouver dans tout... autre exemple. Par exemple, un autre exemple, ok. C'est pas pour te. On veut pas que tu donnes la réponse, hein, mais. Ok. Traditionnellement fait en porcelaine ou en verre frité, je suis une invention du 19e siècle. Ah, j'ai pas, hein. Oh, tu veux pas Pouka, vas-y, nique ça. Oui, bon, ouais, tu veux pas Pouka, on trouvera nous-mêmes, on s'est fait tout ça. Bon, bref, en tout cas, on va pouvoir aller voir les maîtres des clés. C'est parti? Oui, on va aller en même temps. Let's go. 10 minutes. Ah, ouais, toi, tu vas en GAV là, je dirais comment il t'a attrapé. Ouais, il m'a attrapé, il le colle. Il voulait trop te. Bah, j'ai vu ça, ouais. C'était compliqué, mais t'as trouvé l'énigme. Mais il est où l'indice? Gros, il m'en a pas donné. Par contre, compliqué, c'était un prout, quoi. Ouais. Ouais. C'est prout qui pue la réponse. Pardon. Attention. Ok. Bon, apparemment. On peut avoir des amis. C'est une... sous l'indice. Oh le ringard. Vous revenez plus dans mon émission. C'est fini. Ok, d'accord. Je me permets, vous revenez plus dans mon émission, c'est un enfer. Vous êtes dopé, monsieur? De quoi? Non, je suis un peu de sport. C'est Nat? D'accord. C'est Nat? Ah, moi je suis Nati. Nati? Moi je suis Nati. Non, moi je fais du sport, c'est juste. Ah, Nati, je crois que c'était vous aussi, hein. Mazal Tov. Comment on dit chez vous? Bon, je pense qu'on va pouvoir passer aux énigmes des maîtres des clés. T'en as rien à faire. En fait, tu sais pas ce qui se passe. Vous connaissez votre émission, monsieur? Vous me parlez pas comme ça, je connais mon émission, merci. Ok, j'y vais. Qu'est-ce qui se passe alors? Maxime, c'est toi qui vas être envoyé en premier. Oui. Pour un jeu en particulier. Oui. Le Jenga, est-ce que tu connais ça? Oui. Jenga. Oui, le Jenga, tu connais? Oui. Faut mettre. Jenga. Voilà, le premier qui fait tomber, il a Jenga. Perdu. Est-ce que c'est mon bouton de chance? C'est ciao, tu y vas. Jenga, pardon. Jenga. C'est pas cool ça. Non, je suis désolé. C'est pas cool. Ça va vous sinon? Bah, ça va, écoutez. Toi. Vous faites un zénith là. Monsieur le maître du jeu, j'ai l'impression de vous connaître, vous avez raté la tête. Oui, t'as oui, ok. Ok. Alors, t'es au zénith? La 34ème du. On va passer au. On va faire le. Steph. Steph, si ça part en couille, t'es costaud, tu me le neutralises, on va empiler des pièces. Je commence ou... Je commence, ok, allez c'est parti. Alors ? Me casse, ouais. Les gars, ouais. C'est bon, hein? Ah ouais? J'ai gagné, ouais, j'ai gagné. Non, j'ai gagné. Ça se voit que t'as fait un coup de Trafalgar. Un coup de Trafalgar, ça se voit. On m'a dit que t'as perdu. T'es un baiser quoi? On m'a dit que t'as perdu. Tu veux quoi? J'ai perdu. Bon, le deuxième à y aller, c'est Grim. Et Grim, tu sais pourquoi tu vas jouer? Tu vas jouer pour les bâtonnets. Les bâtonnets. Ah, faut s'y battre, genre. Il y en a un, deux ou trois à enlever à chaque fois. Et le dernier qui enlève un bâtonnet, il a perdu. Un ou deux ou trois? 1, 2 ou 3, tu choisis. Bah, 1, 2, 3. C'est des maths. Je déconne, Olivier. Attention, hein, parce que là, je t'en mets une. Je t'envoie un Amec. Allez, t'y vas. Eh, les gars, c'est quoi le cri de guerre? Y'a pas toi, tu fais pas toi. En route. Allez, c'est parti, on y va. Il en met une couche. Hein. Il refait. Oh putain, on est à craquer de lande. Bonjour, chef. Vous commencez ou je commence? Allez-y, hein. Ok. Il y en a des baguettes. Vous l'avez ou pas? Oh, pardon.
les trois. Bah, vous savez quoi, si vous voulez jouer au con, on va jouer au con, hein. Encore un. Allez, à vous. Ok, deux. Regardez. Bah, pff, c'est pas une cigarette, faites pas ça. Hop là. Trois. Ouais. Quoi? Ok, ok, c'est fort, ok. Attendez, j'ai une stratégie, vous allez voir. Attendez. Alors, alors, allez, allez, jouez, vous allez voir. C'est les derniers qui tirent qui a perdu. J'ai gagné. Voilà, papa, le papi, tata. Bouh, la voyure. Je taille. Hop. Bravo. T'as gagné, Grim. Let's go, mon gars. Ça, c'est gagné. J'ai un gagnant. Et maintenant, il en manque un dernier. Gilsy, tu vas pouvoir passer à l'étape du mouchoir enflammé. Il écoute même pas. Tu veux pas les règles? Il veut juste y aller. Ça, c'est un vainqueur. Ça, c'est un gagnant. Il y a pas les règles. Ça, c'est un gagnant. Mais c'est quoi le mouchoir c'est quoi le mouchoir enflammé, chef? Bonsoir. Faut que je fasse quoi? Il m'a pas dit, Olivier. Ouais. On crame et le premier crame, il a perdu, c'est ça? J'ai gagné, là. J'ai gagné, tu crames plus que moi. Ok, je recommence. Mais attends, tu prends toute la place, attends. Ah, faut laisser dessus. Ok. Le crâne, nickel lisse, nickel, hein. Non, mais frère, tu prends toute la place aussi, frère. Regarde, c'est la feuille qui crame, le premier à gagner, c'est ça? Alors là, je vais t'éteindre, frère. Ah, merde, ok, c'est le contraire. Alors là, frère. Eh, frérot, t'as niqué l'ampoule, là. Une ampoule. Ok. Attends, c'est pas la première qui gagne. Donc ça veut dire que si mon feu s'éteint, j'ai gagné. J'ai gagné là. Ouais, let's go. Oh, je l'ai niqué. Ah, ils sont plus là. Il a gagné, oui. Il a perdu, il a gagné. Hein. Il a gagné. Mais bien en gros, sûr. Parce que en fait, vous avez pas le temps d'expliquer les règles. C'était quoi les règles? Ben, en fait, le but c'était de celui qui a la feuille qui s'éteint en premier, il a perdu. Et en effet, la feuille s'est éteinte en premier. Donc, il a perdu. Gilsy a gagné. Ah, il a gagné? Non, il a gagné. Ouh, parce que la feuille s'est éteinte en premier. Essaye pas de changer les règles, d'accord? Et voilà, on a que Gilsy. Bravo, il a gagné. Bravo, Gilsy. Bravo, mec. Bravo, Gilsy. Bravo. T'as gagné? Je l'ai gagné. Bravo, c'est bon. Nous deux, on a gagné. Maxime, il a perdu. Mais ouais. C'était long de con. C'était long de con. En tout cas, vous avez réussi à faire 2 sur 3, donc ça, c'est merveilleux. Je suis ici avec Passepartout. Vous allez passer à la dernière étape. C'est des aubergines? C'est pas des aubergines. C'est des boulets de canon. C'est des boulets de canon. C'est pas du tout des pastèques. Hein. On dirait pas des aubergines. Pas du tout. C'est des boulets de canon. Eh, on m'écoute? Oui. Ouais. Attention. Oui, on parce que là, on va jouer pour l'association. Et on l'a dit tout à l'heure, l'association, elle est merveilleuse. Ça, je peux chialer pour les trucs comme ça. C'est qui l'asso? C'est quoi l'asso? L'asso, c'est un sourire pour la vie. C'est un truc de bonheur. Mais bon. Mais c'est un truc de bonheur, tu vois. C'est... Franchement, moi, ça me peut me faire chialer. Ça peut me faire chialer. J'ai envoyé les 5K là, moi. Merci. Vous allez devoir trouver le mot clé. Le mot code. Le mot clé? Le mot code. Non, mais non. Le mot clé? Non, il y a un mot à trouver et c'est le mot à trouver. Vous allez le faire avec ça là. Ok, oui, d'accord. C'est grâce aux indices. Oui, grâce aux indices. Voilà. On sait quoi, on lit les indices? Bah, on lit alors. Et attention, parce qu'il n'y a pas que ça. Forcément, il y a quelqu'un aussi pour faire tourner le... Bah, bien sûr. Félindra. Félindra. C'est pas Félindra, j'ai l'impression. C'est Félix, peut-être, à la rigueur. Ouais, peut-être c'est Félix. Ouais. Ok, bah... Théorus. Ah, bah, je l'avais déjà lu. Vous êtes... Théorus, tête de chibre. Quoi? C'est Théorus, tête de chibre qui va être là? Bah oui. Ah, mais ça... Non, c'est ça. Non, attends. C'est sympa. Ouais, non, c'est bien. Attendez, j'ai mon indice. Aujourd'hui, on peut me trouver dans toutes les maisons. Ok, traditionnellement fait en porcelaine ou en verre frité, je suis une invention du 19e siècle. Dans un roman, le personnage du bûcheron emporte un sur sa tête. Quoi? C'est quoi ce mot? Dans un roman, le personnage du bûcheron emporte un sur sa tête. Dans toutes les maisons? Mais on n'a pas d'indice avec les maisons des clés, ils nous ont rien donné. Des implants? Les indices des maîtres des clés. Ah, ils ont donné quoi? Déjà, 9 lettres.
Ok. Bah. Neuflette. De quoi? C'est une forme en cône. Un bol. Un wok. Non. Là, vous parlez de... Et là, malheureusement, il n'y a pas de troisième indice car tu as perdu. J'ai pas perdu. Regardez le replay, il y a eu un bail. Non, non, on a vu. En neuf lettres et forme en cône. En neuf lettres. Et maintenant, vous allez devoir jouer pour trouver les mots. C'est quoi? En vous mettant sur les lettres, en mettant les boulets sur les lettres. Un truc d'ustensile, un ustensile en neuf lettres. Genre une cuillère. C'est en porcelaine ou en verre frité. Dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons, donc c'est un ustensile qu'on a. L-L-E-R-E. C'est quoi? Cuillère. C'est pas en cône. C'est pas un cône, une cuillère. Ah. En cône. Mais j'ai pas compris ce qu'on doit faire. Faut trouver un mot. Il n'y en a que 12 des mots, il n'y en a que 12 qui existent. Il y en a plus que 12. Bah voilà. Moi je connais plus que 12. C'est vrai ou pas? Il y en a beaucoup plus que 12, je pense. Alors attends, un truc en cône aujourd'hui. Parce que porcelaine, ça me fait penser aux chiottes, c'est en cône. Mais toilette, ça. Une cuvette? C'est U-V-E-T-T-E. Ouais, non, c'est. Non, mais c'est, faut apprendre. Des cuvettes? Mais connard, vous pouvez commencer à éprouver. À tenter des choses, hein. Vous pouvez commencer à tenter des choses, pourquoi pas. Entonnoir? Un entonnoir? T'as dit que je suis noir? Non, j'ai. Entonnoir. Ouh, t'es sérieux là, c'est un raciste? J'ai dit entonnoir. Un entonnoir. Un entonnoir. C'est qui Anto? Un entonnoir. Un entonnoir. Le truc. Un entonnoir. Ah. Allez, il faut placer. Il faut un placer. Entonnoir. C'était vraiment des aubergines, je crois, t'as raison. Mais c'est des aubergines, frérot. Attends, c'est des aubergines. Moi, je suis sur le E. Entonnoir, il y a un O. Allez, dépêchez-vous. Les aubergines, elles déteignent. Mais pas sur ta tête, Max, mais pas sur ta tête. E-N. E-N. N, j'ai mis. Entonnoir, il y a quoi? T. N, T. T. R. Mets-toi ici, mets-toi sur une lettre aussi. Les gars, dans l'entonnoir, il y a 3 N. Vas-y, on se met sur les N. Grimla. Attends, là, il y a un I. Entonnoir. Ok, JC là, Grim ici. Attends. T'as dit Grim et CG au même endroit. Les gars, Noir. Ah. Je crois que c'est bon. Entonnoir. Ok. C'est entonnoir? Est-ce que c'est bon? Est-ce que bon Felindra, t'es de Chypre, est-ce que c'est bon pour toi? Felindra. Enfin, t'es au russe. Oh mon dieu, non. Vous avez fait ce soir, vous avez fait de Chypre. Vous avez fait ce soir. Ça marche? Attends, mais non, c'est elle pas tourne. Là, c'est suspense là. Ça marche ou pas? Frère, t'imagines la prod de fou qu'on a? Ouais, j'imagine de ouf. Hein. Des têtes de Chypre. Est-ce que ça tombe? Est-ce que c'est bon? Oh! Attends, il va être payé. Mettez tout dans moi. Mettez tout dans moi. Pourquoi dans toi? Mettez tout dans moi. Viens, on fait dans moi aussi. Venez, on met dans moi. Non, viens, prends. À moi. Pourquoi que toi? À moi, frère, donne. C'est moi, mon t-shirt, il est plus grand. Donne tout. Allez, dépêchez-vous. Qu'on va avoir toutes tes pièces. Attends. Les gars, je fais un peu de l'argent, ils m'ont pas payé. Et il faut les mettre dans le seau après, hein. Mais Maxime l'a dit, il faut mettre dans son t-shirt. Allez, plus que 20 secondes, dépêchez-vous, il faut mettre les pièces dans le seau. Mais non, mais pas dedans, mais c'est pour l'argent. Ah, mais il faut mettre le seau. Dépêchez-vous, plus que 10 secondes. Non, la seule, on a assez. Cassez-vous. Ah oui, c'est pas mal, regarde. Ça fait pas mal de pièces, ramassez-les à côté, attention. Il reste plus que quelques secondes, plus que 2-3 secondes. Mais ton cul, crime. Mais c'est la triche! C'est la triche! Dépêchez-vous, c'est terminé! On va pouvoir avoir le résultat enfin de tout ce que ça a rapporté! C'est beau, les gars, c'est merveilleuse! C'est incroyable ce qu'on a réussi! Et vous allez le voir juste ici! Je gardais tout ça pour moi! Allez, let's go! On va pouvoir voir. Oh non, je me suis blessé! 50 000 euros! 50 000 euros, bravo! Incroyable! Merci, Passepartout! Bravo, Olivier! C'est merveilleux! Incroyable! Bravo, putain! 50K, frère! Hey, mais l'asso, c'est quoi le nom de l'asso? Parce que là, franchement, 50 000, ils vont pouvoir faire tellement de trucs! Parce qu'ils vont ouvrir des hôpitaux, ils vont nous ouvrir des orphelins. Merci, les gars, en tout cas! C'était une Tesla pour la. Les gars, c'est fou! Merci à tous d'avoir suivi l'émission! En vrai, les gars, c'était la dernière en plateau! Ça, c'est assez dingue! C'est la dernière fois qu'on voyait le plateau! Merci, Passepartout! Merci, l'association, c'est un sourire pour Maxime! C'est une association qui redonne le sourire. Merveilleuse asso. Elle me redonne le sourire. Un sourire pour Maxime. Un sourire pour Maxime, c'est une association qui redonne le sourire à. J'ai envoyé 5 cartes à Maxime. Non, 5 et 5, donc 10. Merci à tous. Je voudrais remercier toutes les équipes qui nous ont permis pendant 2 saisons de faire cette émission. C'était fou. La dernière fois qu'on va se retrouver, ça sera au Zénith. Moi, j'ai 50K dans l'association. Dans l'association. Merci à tous d'avoir suivi. Bravo. Je vous embrasse. Merci à tous de nous suivre. Merci à tous la famille. On s'attrape au Zénith dans 2 semaines. Bravo. Les gars, on se rend au Zénith, Tout le monde est